C'est le printemps. Bonjour à tous pour ce nouveau live autour du sujet de l'électroculture. Donc voilà, je voudrais vous faire écouter ça. Je ne sais pas si on va l'entendre pendant que tout le monde nous rejoint. Est-ce que vous entendez? Les Français parlent aux Français. Un Belge parle aux Français. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était le générique de la résistance française pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est pas très rigolo tout ça, mais quelque part, on risque peut-être de revivre un peu des situations comme ça. Hein, mais sauf que ce ne sera pas de Londres, mais ça viendra peut-être, je ne sais pas, d'un autre pays. Parce qu'aujourd'hui, Londres, c'est pas la résistance, c'est plutôt la collaboration. Hein. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'était pour le petit aparté. Ouais, je ne veux pas dire politique, mais métaphysique. Et voilà le petit message. Le verre est dans le bureau. Le verre est dans le bureau. Et comme je vous avais mis rendez-vous avec l'au-delà. Rendez-vous avec l'au-delà. Donc j'ai bien chargé à bloc. Et donc là, voilà, l'au-delà. Vous voyez, l'au-delà est plus proche qu'on pense. Voilà, santé avec l'au-delà. On a la santé, on garde la santé et on garde le courage, l'espoir. Et voilà, ben, on continue notre œuvre à développer l'électroculture sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, naturellement dans le choix, dans l'harmonie avec la nature, dans des techniques qui nous rapprochent de la nature et qui nous font encore mieux comprendre la nature. Et voilà, qui nous apporte santé, bien-être et paradis sur terre, je dirais. Paradis dans le sens que, avec toutes les techniques d'électroculture, de permaculture, il y a toute une panoplie de techniques. Il suffit de le savoir, on va dire, il suffit de partager les connaissances, les astuces, et on peut transformer les déserts en forêt. Hein, vraiment, c'est vraiment vrai. Hein. On peut même faire pleuvoir si on veut. On peut même dans les déserts qui sont arides aujourd'hui, on peut faire pleuvoir. On peut transformer les étendues où il y a presque aucune biodiversité. On peut les transformer en paradis sur terre. Hein. Donc, comme on fait tous dans nos jardins, ben on peut. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, santé à tous. Hein, bonne santé à tous. Voilà. La soif de savoir. Ouais, je fais beaucoup de jeux de mots là, mais voilà. Je vous raconte comme je suis inspiré. Hein. Ben, pour venir à l'eau. Donc l'eau de là. Ah, c'est rigolo, mais c'est voilà, ça. Les mots veulent bien dire ce qu'ils veulent dire et les sons, ils sont pareils. Et quelque part, l'eau, c'est vraiment. On pose souvent des questions sur l'eau et sur comment dynamiser l'eau, comment améliorer son eau. Après l'eau, alors moi, souvent, je conseille un livre, c'est le livre de Jan Olivo, qui s'appelle La nature de l'eau. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, hein, dans le sens pas religieux ou qui n'ont pas de croyance, ben, renseignez-vous, mais qui croient dans la nature, ben, renseignez-vous sur l'étymologie du mot nature.
Ben, qu'est-ce que veut dire nature? Ça veut dire les dieux. Hein, donc voilà, c'est pareil. Voilà. Allez, santé à l'eau, aux dieux de l'au-delà. Ou comment? Voilà, c'est rigolo, mais. Parce que là, on a vu avec la cathédrale Notre-Dame qui a été incendiée ou. Voilà, après les causes sont on le saura bien un jour. Ah, mais c'est sûr que c'est pas très naturel tout ça, dans le sens que c'est pas des morceaux de chêne. Par exemple, là, j'ai un ami qui m'aide à débroussailler, à nettoyer. On a un morceau de chêne qui est dans un feu, où on brûle un peu plein de restes et toutes sortes de bazar. Il y a un morceau de chêne très très dur, hein, donc ça doit probablement un morceau de chêne qui provient de chemin de fer, hein, hein. Après 2 jours dans le feu, il est encore là, hein, il est encore là, hein, donc quelques brindilles, ou même avec un chalumeau, on n'y arrive pas à le brûler complètement, là, hein, même après 2 jours, hein, là et dans le feu qui brûle déjà depuis 2 jours là, parce qu'on a vraiment nettoyé beaucoup de bazar là, il est encore là. Hein. Alors, il faut qu'on m'explique comment le toit de Notre-Dame peut brûler en quelques heures. Ça, il faut qu'on m'explique. Hein. Il faut qu'on me montre comment ils font, parce que moi, même dans ma chaudière, j'ai même des bûches de bois qui sont même pas du chêne, mais un autre bois. Ben, parfois je mets une bûche le matin avec la flamme du fioul dessus et le soir la bûche est encore là. Il faut qu'on m'explique. Voilà. Donc on est vraiment à un niveau, c'est comme le 11 septembre, c'est vraiment on a un niveau de foutage de gueule, mais oh, je dirais plus qu'atmosphérique, hein. C'est galactique. Hein. Voilà. Après, pour la symbolique, c'est très intéressant. Donc, il y avait une flèche. Quand on revient à l'électroculture, ben, on voit que les techniques d'électroculture, les antennes et la construction des églises, c'est assez proche. Quand on voit dans la ligne du temps, on voit que il y avait d'abord. On va commencer par les pyramides, bien que eux, avant les pyramides, il y avait bien aussi des temples et différentes choses, hein, mais on va commencer par là. Après, il y avait les tours rondes en Irlande dans les années. Après, moi, je suis pas archéologue, hein, mais on va dire qu'on nous dit que c'est dans les années 600, 700, 1000. Et après, il y avait les églises, les premières églises, après les années 1000. Et c'est un peu comme une tour ronde. Avec une salle de fête à côté, j'aime bien dire ça pour rigoler, que c'est comme une tour ronde, comme en Irlande, ou une pyramide, mais avec une salle de fête à côté, parce qu'on préfère prier à l'abri de la pluie que voilà, dehors comme ça. Après, dans d'autres pays, comme dans des pays au Moyen-Orient où il pleut pas souvent, ben là, ils n'ont pas besoin tant de salles de fête comme ça, ils font la fête dehors, ou ils prient dehors. Voilà. Mais. On retrouve toujours cette histoire des tours ou des antennes comme ça, très hautes, dressées vers le ciel, et avec des cônes, des angles bien précis. Hein, et là, comme on a vu, la tour ronde, elle est à 51 degrés. Hein, donc, le cône de la tour ronde en Irlande, 51 degrés, à un degré près, hein, c'est à quelques dizaines de degrés près, hein, là, 51 degrés, un peu plus. Et la pyramide classique, ben là, on retrouve le 51 degrés par rapport à la base et la face. Donc, j'en ai une là, je vais vous montrer. C'est juste pour vous montrer. Hein, mais donc, les 51 degrés, c'est que ça correspond à l'angle, à cet angle d'une face par rapport à la base. Hein. Dans la pyramide nubienne, on retrouve les 51 degrés dans la tête, on va dire, quand vous prenez deux arêtes qui se font face,
Ben là, vous trouvez le 51 degrés aussi. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est quand même assez étonnant. Hein? Le hasard n'existe pas, on va dire. Et comme on dit souvent, le hasard, j'aime bien cette phrase, je ne sais pas qui l'a dit dans l'histoire, mais la phrase, c'est le hasard, c'est la façon que Dieu a trouvée pour passer inaperçu. Voilà, donc on peut dire qu'il y a énormément de hasard. Par exemple, là, vous avez vu mon post peut-être sur le groupe Facebook, c'est que j'étais à Strasbourg, je vous ai mis quelques photos avec la cathédrale, la pancarte du jardin botanique, l'ambassade belge. Donc j'ai été à Strasbourg pour des papiers, pour un déplacement à l'étranger, dont je vous en parlerai plus tard. Il y en a qui sont déjà au courant, hein, mais et donc je devais aller à des bureaux qui étaient dans un immeuble entre le jardin botanique de Strasbourg. Je ne savais même pas qu'il y avait un jardin botanique là, mais voilà, c'est très intéressant. Un jour, je vais y aller d'ailleurs. Entre le jardin botanique de Strasbourg et l'ambassade belge. Et comme je suis belge, ben ça m'a interpellé. Il y avait des fleurs magnifiques devant l'ambassade. Et j'étais dans un immeuble là d'un autre pays, on va dire. Et quand je suis sorti de cet immeuble, j'ai traversé la route. Et autour d'un poteau, qu'est-ce que je vois? Un fil de fer galvanisé posé en cercle ouvert. Donc ça faisait un cercle Lakowski. Hein, vous pouvez trouver la photo. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là exprès pour me porter l'attention, parce que sinon c'est quand même fort, mais tout est possible. Mais c'est quand même impressionnant. Pour moi, ça, c'est des petits signes de l'au-delà. Ce n'est pas possible autrement. C'est des synchronicités, des coïncidences qui sont quand même impressionnantes. Et ces petites synchronicités, coïncidences, qui ont l'air des petits faits divers dans la vie, mais qu'on peut passer à côté sans les voir aussi. Mais quand on les voit, c'est vraiment des signes qui nous mènent sur un chemin. Et comme ça, j'en ai énormément dans la vie. J'en ai eu déjà depuis que je suis étudiant, on va dire, hein, que je me suis intéressé aux synchronicités et aux signes, aux coïncidences, comme ça, coïncide, hein, donc coïncidence. Ben, j'en ai tout plein, c'est comme ça que ça m'a amené aussi à développer l'électroculture, parce que c'est inscrit sur mon chemin, tout simplement. On va dire que c'est même pas une volonté de ma part intérieure, c'est simplement que je vois quand je suis le chemin des signes qu'on me propose, alors tout se passe bien dans la vie, et alors la vie, elle est passionnante, et alors on découvre un tas de choses et je vous découvre vous aussi, hein. On devient une communauté très intéressante, aussi très riche émotionnellement, aussi chaleureusement, et aussi de savoir, de connaissances, de partage. Hein. Et ça, c'est vraiment une nouvelle société qui est en train de se mettre en place. Et aussi je dirais même presque de télépathie, parce que combien de fois un d'entre vous me partage une idée que j'ai eue un ou deux jours avant. Hein, donc, quelque part, on l'a eue en même temps. Et je suis sûr qu'on est plusieurs comme ça. Et donc, ça montre aussi qu'on n'est pas propriétaire non plus des idées. Même si on a une bonne idée, je pense que quand on a une idée, on est responsable de cette idée. Quelque part responsable dans le cas où on a eu un don d'une connaissance ou d'une idée, et après on doit en faire quelque chose. Hein, si ça nous est passé par l'esprit, c'est pas par hasard.
Et c'est qu'on est prêt à le recevoir aussi. C'est qu'on est prêt à recevoir cette idée. Et après, on en est responsable de qu'est-ce qu'on va en faire. Mais si on est prêt à le recevoir, c'est que dans l'au-delà, quelque part, il trouve qu'on est prêt à aller un peu plus loin, à développer cette idée. Voilà. Et donc là, je pense qu'on est cette année, hein, c'est 2019, là, ça a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. C'est entre la rencontre avec, voilà, avec Eric, Hélène, Gisèle, Aloïs, Séverine, Richard, Andrea d'Italie, qui est vraiment très dynamique, Johan, hein, bonsoir à tous, Jean-Paul Charrier aussi, grand bonsoir, grand bonjour à Jean-Paul aussi, Nicole, Michael, on est vraiment un groupe, mais je dirais extraordinaire. Hein, on est tous extraordinaires à notre façon et c'est vraiment une joie et un plaisir d'échanger avec vous à chaque fois quand je vous ai au téléphone. C'est impressionnant. Hein? voilà. Bah, je rigole parce que je lis un peu les messages et ça me fait, voilà, ça m'amuse. Merci beaucoup à vous tous, hein. Donc voilà, là j'ai pas vraiment énormément, j'ai pas vraiment préparé beaucoup de choses, mais voilà, j'ai l'au-delà avec moi et avec nous, hein, voilà. Et je vais vous en parler un peu de cette eau, hein. Et par rapport à l'énergie et tout ça. Et après, j'ai aussi, comme je suis en Alsace, hein, allez, santé. Un bon petit vin, c'est un suineleux d'un vigneron que j'apprécie énormément, qui est pas très connu, hein, mais lui, il soigne ses cultures avec les plantes. Il fait plein de fermentations, de choses avec les plantes pour soigner ses cultures. Et il a des résultats extraordinaires. Il fait un vin vraiment qui mérite d'être connu. Et le personnage aussi, quand il parle de son vin, c'est vraiment passionnant. Et vous comprenez vraiment l'histoire de la qualité du vin ou du goût du vin, de l'arôme par rapport au terroir. Donc, il va bien vous expliquer aussi, hein, vraiment et la façon de cultiver. Donc, santé. Vous voyez, c'est comme de l'or. Hein. Vous voyez, c'est doré. Le vin en Alsace, il y a du très bon vin en Alsace. Il y en a ailleurs aussi en France. Hein, mais comme je suis en Alsace, santé. Ouais, très bon. Et donc, lui, justement, quand j'avais été chez lui, un jour, il y avait son. Lui, il n'était pas là, mais son père était là. Et il me racontait. Et justement, il m'a proposé un verre de ce vin. Il revenait des vignes. Et il était. C'était un petit peu le vin désaltérant qu'on peut boire tous les jours, d'une certaine façon, mais vraiment un très bon petit vin. Et il m'a montré un tableau, une table qu'il a faite lui-même avec un chêne. Ouais, je pense que c'était un chêne. Ouais. Ah, c'était un arbre qu'il a lui-même abattu, travaillé. Donc c'est vraiment, et c'était magnifique cette table. Ça a de l'âme, ça a vraiment une âme. Et là, la France est attaquée dans l'âme. Et comme j'ai encore lu, il y a pas long, il y a quelqu'un a posté, et on essaye maintenant d'effacer cette histoire-là. Donc l'âme de la France quelque part, hein, ou l'âme des cultures, des peuples. Dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment, et on retrouve ça avec l'électroculture, hein, c'est que on essaye d'effacer l'âme, on essaye d'effacer nos racines, on essaye tout pour le tout commercial. Hein. J'ai entendu là qu'ils ont des plans pour les Jeux Olympiques de faire tout un shopping center, on va dire, autour de Notre-Dame. Allez, faut arrêter maintenant, hein. Faut arrêter les bêtises quand même. Donc tout ça, c'est probablement tout prévu. Hein.
Maintenant, symboliquement, c'est très intéressant aussi ce qui se passe. Hein, c'est, vous avez Notre-Dame, c'est la mer. Hein, donc, ça représente quelque part la mer. Et après, vous avez l'au-delà ou le, comment dire, le soleil, le père, le feu. Hein, et vous avez Notre-Dame qui prend feu. Et après, il y a des pompiers qui arrose avec de l'eau. Et l'eau, l'au-delà, hein, vous voyez, l'au-delà. Donc c'est quelque part très fort en symbole à tous les niveaux. Je pense qu'on pourra écrire des livres entiers. Je pense que dans les prochains mois, années, il va en sortir des livres sur Notre-Dame. Il va en sortir un paquet. Mais voilà. Maintenant, un autre sujet, pareil. Papa électroculture, pareil, j'ai entendu que Georges Lakowski, dans les dictionnaires des noms propres, son nom Lakowski n'apparaît même pas. Donc c'est quand même fou. Hein. Donc on avait déjà vu la censure par rapport au mot électroculture dans les Larousse, et je remercie tous ceux qui ont écrit à Larousse pour essayer, pour leur demander pourquoi le mot électroculture n'apparaît plus. Hein. Et s'il pourrait le remettre, hein, c'est peut-être. On pourrait même écrire comme ça pour rigoler. Ah, vous avez peut-être fait une erreur. Ah, parce que le mot électroculture n'apparaît pas. C'est probablement une erreur, hein, parce que vous n'êtes quand même pas si bête non plus, hein, chez Larousse, là. Ah, donc, voilà. Ah, mais faut mieux tirer ça à la rigolade. Mais ce qui m'a frappé, c'est que là, en ce moment, tout à l'heure, j'étais à une petite librairie d'une petite ville pas loin, donc à Villers, hein, dans le 67 en Alsace. Et j'ai regardé donc, dans cette petite librairie où je vais de temps en temps, et il y avait, en livre de jardinage, il y avait des livres de permaculture, très bien. Il y avait même des livres autour des plantes. Par exemple, de Stefano Mancuso, qui veut mettre en évidence que les plantes ont une sensibilité et comme un système nerveux aussi très intéressant, donc c'est un côté énergétique. Ben, il y avait un livre de lui. Et après, je me suis dit, mais en fin de compte, il n'y a plus de livres de jardinage à l'ancienne, on va dire. Ce qu'on appelle à l'ancienne, c'est encore il y a 5-10 ans, donc où on ne couvre pas le sol, où le sol est à nu. Ou donc les techniques classiques habituelles du dernier siècle, on va dire, hein, ben, il n'y a plus de livres comme ça, ils osent même plus les mettre à la limite. Donc les livres où il y a marqué traité avec tel pesticide ou tel pesticide, ben, quelque part, ils osent même plus les mettre dans les librairies. Donc ça montre quand même vraiment qu'il y a un grand changement d'état d'esprit du peuple. Je ne parle pas de nos dirigeants parce que ceux-là, ils sont complètement. C'est, je dirais, que nos dirigeants actuels en France, à la limite, il faudrait mettre des gardiens à l'Élysée et mettre centre asile psychiatrique hautement sécurisé. Il faudrait mettre une pancarte comme ça parce que c'est complètement starbé. Hein, mais il ne représente vraiment pas le peuple français. Parce que quand on regarde dans les librairies maintenant, bah, on voit qu'au niveau jardinage hein, et au niveau agriculture, bah, ils osent même plus parler des pesticides. Bah, on n'en veut plus, le peuple n'en veut plus du tout. Hein, donc ça montre bien que. Ben, ça montre bien qu'il y a une grande évolution qui est avec nous. Hein, donc, comme je dis, la force est avec nous. Il y a vraiment une émergence, une conscientisation qui est en train de s'opérer, qui est impressionnant. Et donc, il ne faut pas se laisser abattre par exemple, ce feu de cette cathédrale. Ben, c'est vrai que c'est une très triste nouvelle pour la France, mais quelque part, c'est, on va dire, le mal qui contre-attaque. Qui essaye d'anéantir l'espoir. Et moi, ça m'a encore plus motivé, honnêtement. Ça m'a vraiment encore beaucoup plus motivé à aller plus loin. Et les signes se sont multipliés, je peux pas, hein, c'est impressionnant autour de moi. Un exemple, le jour où la cathédrale a brûlé,
Après, elle n'a pas complètement brûlé, c'est juste son toit qui a brûlé. C'est assez grave, hein, mais ça peut se reconstruire. Il y a eu d'autres cathédrales où ils ont reconstruit des toits, hein. Mais où est-ce que je voulais dire là? Le même jour, ben, j'ai eu les premières hirondelles chez moi. Hein, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Hein, il y a trois hirondelles qui sont apparues. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Chacun d'entre nous, à son niveau local, a eu des très bonnes nouvelles, je suis sûr. Voilà, et il faut se concentrer sur ces bonnes nouvelles et construire là-dessus. Voilà, après, ce que je dis là, c'est mon avis. Donc, par rapport à l'eau, maintenant je vais vous raconter quelque chose. Donc, j'ai un ami que j'ai rencontré, un ami, on va dire un copain ou une connaissance, parce que là, ça fait des années que j'ai plus trop de contact avec lui, mais il y a une dizaine, non, il y a, c'était vers 2003, je pense, j'ai rencontré un inventeur qui s'appelle Pierre Hubbéa. Et Pierre Hubbéa, lui, c'est un Canadien qui, à un moment donné, a dû partir du Canada. À cause de ses inventions, à cause de, après c'était un peu complexe, il m'a peut-être pas tout dit, mais de ce qu'il m'a dit, c'était surtout à cause de ses inventions. Donc lui, il était ingénieur en électronique, il était ingénieur du son, et maintenant il habite en Suisse. Donc il a dû partir du Canada, comme fuir pour aller habiter en Suisse. Et donc, qu'est-ce qu'il a inventé? Ben, un jour, il était occupé à bricoler des circuits électroniques. Et il s'est rendu compte que quand il bricolait ces circuits électroniques, ben, la réaction électronique ou de l'électricité dans ces circuits réagissait par rapport aux personnes qui rentraient dans le local. Hein, je vous raconte ce qu'il m'a raconté, hein, après. Aujourd'hui, je ne sais pas tout ce qu'il raconte, hein, mais ça fait des années que j'ai plus trop de contact avec lui, mais je vous raconte parce que son invention est vraiment très très intéressante par rapport à l'eau. Je vais vous raconter pourquoi, et l'énergie en général. Donc, son circuit électronique arrivait à détecter une présence humaine, même derrière un mur, même, et c'est ça que les militaires, ça les intéressait énormément parce qu'il arrivait à détecter même les présences derrière des murs, derrière tout isolant électromagnétique, électrique magnétique, ben lui, son système, son circuit électronique qu'il a découvert par hasard en bricolant, hein, en travaillant dans son laboratoire, on va dire, hein, dans la société où il travaillait, ben, arrivait à détecter des présences, des énergies, on va dire. Et donc, après, il a amélioré son circuit, il a essayé de comprendre comment ça fonctionne, parce que même lui-même, il comprenait pas tout à fait comment c'était possible, parce qu'il avait une formation tout à fait classique d'électronique, hein, donc c'était pour lui, ça ne correspondait pas à des lois de physique classique. Hein. Et alors, il a commencé à développer un appareil qui s'appelle le bioscope. Comme on a un microscope, on a là le bioscope. Parce que c'est un appareil, vous mettez une aiguille, on va dire que vous mettez, voilà, une sonde, ce qui est relié à l'ordinateur, à un boîtier électronique et après à l'ordinateur, vous mettez la sonde près de l'eau et ça va mesurer, ou même sur l'eau, et ça va mesurer tout un spectre électromagnétique. Tout un spectre plein de fréquences, vraiment tout un univers de fréquences. Et pour vous dire, un jour j'ai fait une conférence et il y avait un chercheur, c'était dans le sud-ouest, et il y avait, je pense, c'était près de Toulouse, quelque part, dans les réseaux de Effervescience. Hein, donc ça c'est Effervescience, c'est un petit magazine alternatif qui est géré par un vétérinaire, mais je ne me rappelle plus de son nom exactement. Et il m'avait invité là pour faire une conférence. J'ai fait une conférence là-bas où j'ai présenté l'invention de Pierre Hubbéa, du bioscope. Et il y avait un chercheur du laboratoire Boiron qui était là.
Et donc, mais je ne savais pas, il était dans le public, on va dire. Moi, je fais ma conférence, là, hop, je rentre chez moi, et un peu plus tard, ben, j'ai ce chercheur qui me contacte, qui dit, voilà, je me rappelle plus trop bien, moi, la mémoire, c'est pas trop mon fort, mais il me contacte. Est-ce que c'était juste après la conférence ou après, je ne me rappelle plus exactement, mais il me contacte. Et il dit, ah, il est très intéressé dans cet appareil. Alors, je le mets en relation avec Pierre Hubessa. Et alors, on se met, donc voilà, des rendez-vous se succèdent et on se met à faire des expériences sur l'homéopathie. Donc, Laboratoire Boiron, c'est une grande société autour de l'homéopathie. Hein. Donc, là, on fait des tests donc, sur l'homéopathie. Et donc, il dilue, par exemple, il met une solution mère dans l'eau, d'arnica, par exemple. Et alors, on mesure le spectre électromagnétique de cette eau et on retrouve le spectre électromagnétique de la plante arnica. Donc, jusque-là, on va dire tout va bien, c'est logique, normal, rationnellement parlant, scientifiquement parlant. Et après, on dilue cette eau, dilue cette eau, dilue cette eau, hein, et on la dynamise. Hein, donc, ils la secouent. Hein, ils ont des machines qui secouent automatiquement l'eau. Ils la diluent, ils secouent, ils la diluent, ils secouent. Et comme ça fait les préparations homéopathiques de voilà, 3CH, 7, 6CH, 7CH, 5CH, 12CH, 18CH. Donc, ça veut dire les dilutions. Jusqu'à un moment donné où on arrive à des dilutions où il n'y a plus de molécules, on va dire rationnellement, il n'y a plus de chance qu'il y ait une molécule de la plante arnica dans l'eau. Et alors on refait la mesure et on retrouve le spectre électromagnétique de la plante qui a été diluée dans l'eau. Vous voyez? C'est intéressant. Hein? Donc c'est une preuve scientifique. Après, c'est pas reconnu parce que, comme vous voyez, la science officielle en France, si ça va pas dans leur sens, c'est comme si ça n'existait pas. Hein, ils veulent pas savoir. Mais autour de l'homéopathie, il y a plein de preuves scientifiques, mais ils ne veulent pas savoir. Hein. Mais n'importe, nous, ça nous intéresse. Et donc, on retrouve le spectre électromagnétique de la plante dans l'eau. Et ça rejoint aussi les travaux, les recherches de Jacques Benveniste, que j'ai pu rencontrer aussi avant son décès. Hein. Je ne savais pas qu'il allait mourir aussi vite. Un jour, j'ai fait une conférence, c'était dans le sud de la France, près d'Avignon. Je pense que c'était le festival Sciences Frontières de Cavaillon, à Cavaillon, où j'avais eu la chance d'assister grâce à l'inventeur Joël Sternheimer aussi qui m'avait mis en relation avec les organisateurs et qui m'ont invité là-bas à faire une conférence sur l'influence de la musique sur les plantes. Donc ça date, hein, c'était aussi, je pense, autour des 2001 ou 2002 ou 2003, dans ces années-là. Et à ce festival, ben, comme j'étais entre les conférenciers, j'ai rencontré d'autres conférenciers, donc toutes des personnes extraordinaires, hein, comme Jacques Benveniste, autour de la mémoire de l'eau. Et après, ben, il y avait même une soirée dansante entre conférenciers et on a même dansé, c'était très, très sympathique. Et donc, Jacques Benveniste, pareil, lui, il arrivait à enregistrer le signal électromagnétique d'une substance. Et après, à le transmettre à l'eau, à une eau vierge, on va dire, à une eau où il n'y a pas encore un produit dedans, il arrivait à le transmettre à l'eau. Et après, avec cette eau, il avait le même effet comme s'il aurait donné le médicament ou la substance, par exemple, à un cœur d'un animal ou dans ses expériences, il avait le même effet avec cette eau. Donc, on peut carrément enregistrer l'information d'une substance à l'eau de façon purement électromagnétique, même par la substance. C'est comme si on aurait enregistré le signal de l'arnica de la plante
et on l'aurait retransmis électromagnétiquement à l'eau, et cette eau-là aurait le même pouvoir, comme si vous auriez pris une tisane ou un thé ou une décoction d'arnica. Voilà. Donc c'est vraiment très puissant, parce que quand on y réfléchit plus loin, on s'est dit, ben, les pharmacies aujourd'hui, ben, ça pourrait être réduit à vendre de l'eau informée, avec des fréquences, avec des signaux dedans. Voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Il suffirait que, à la limite, les pharmacies, si on se met à rêver, ben, qu'ils aient un petit appareil, un ordinateur, on va dire, et de l'eau. Et vous venez à la pharmacie et vous demandez, ah si, ça, machin, j'ai une prescription pour ci, prescription pour ça. Et elle appuie sur un bouton, clac, ah j'ai trouvé Arnica, mettez votre eau là, votre eau préférée, ce que vous aimez, ou votre eau de robinet, ou ça, on va dire que l'eau de robinet, c'est le générique, et, ou l'eau de source de je ne sais pas où. Et voilà, on appuie, tut, voilà, et voilà, votre eau est informée, vous pouvez vous en buvez un verre matin, midi et soir, voilà. Et je peux vous dire que ça fonctionne, hein, c'est même pas du rêve, hein, c'est une réalité tout à fait possible, hein, voilà. Allez, santé, à l'au-delà. Et ça va même plus loin, parce que dans l'agriculture, là, ce qui nous concerne l'électroculture, ben, on pourrait aussi apporter des informations à l'eau et le pulvériser sur les plantes. Hein? Ça va très loin, ça va très loin. Hein? Donc, tout l'agrochimie, les produits chimiques, ben, tout ça, on pourrait réduire simplement de l'eau, quelque part. Mais ça va plus loin, ça va très très loin même, hein, parce que ça va, on va dire que j'ai fait des expériences où, à la limite, vous n'avez même plus besoin du signal électromagnétique. Mais voilà, c'est pour ça que ça va très loin. C'est pas pour rien qu'on dit l'eau de là. Voilà. Un petit sourire, mais si je raconte un peu plus loin, il y en a peut-être beaucoup qui vont décrocher, parce que je pense pas que tout le monde comprendrait. Mais j'en parlerai quand même. Mais maintenant, pour revenir à l'eau, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en homéopathie, on secoue l'eau pour dynamiser, pour augmenter l'effet. Parce que souvent, un produit homéopathique, quand il est plus dilué, il est plus fort. Ça paraît illogique, rationnellement parlant, si on pense en termes de matière. Mais ça s'est prouvé aussi avec cet appareil. Donc, c'est un appareil purement électronique, hein, ce bioscope. Ben, c'est que quand on secouait l'eau, ou quand on faisait des vortex, hein, Andrea parle bien, là, il aime bien la pêche à la truite. Donc, dans les rivières, vous avez plein de vortex et tout ça. Vous avez les minéraux, les roches que l'eau passe. Et après, vous avez les vortex, ben, cette eau-là, elle est quelque part informée, hein, c'est très puissant. Et probablement, c'est une réflexion que j'ai à Andrea, là, par rapport aux roches que l'eau passe, les vortex, ça doit informer de certaines substances dans l'eau peut-être, et influencer comme ça la croissance de la truite. Parce que j'avais vu dans un de tes posts, tu disais que tu étais impressionné dans une petite rivière, comment les truites étaient grosses, pour le peu d'eau qu'il y avait, etc. Ben, peut-être c'est lié à l'information de l'eau à cet endroit-là précis, comparé à une autre rivière qui passe sur d'autres roches. C'est une question, hein, c'est voilà, à vérifier. Ce serait intéressant à voir. Hein. Maintenant, pour revenir, quand vous avez un seau d'eau et vous mélangez, vous faites un vortex, ben, si vous mettez une électrode d'un simple voltmètre sur le bord là et au milieu, ben, vous avez par exemple 50, 100, 150 millivolts de différence, si ce n'est pas plus. Donc ça montre bien que ça crée un champ électrique aussi. Hein, donc
C'est très intéressant. Donc, il y a des phénomènes électriques, électromagnétiques aussi qui se passent. Hein? Quand on fait un vortex aussi, l'eau, souvent, elle devient plus électronégative. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est comme si l'eau va absorber des électrons de l'univers. Donc, c'est des électrons, c'est un courant électrique, alors, du coup, qui va de l'air, de l'atmosphère, vers l'eau. Donc, rationnellement parlant, donc ça veut dire que l'eau absorbe plus d'électrons, elle devient plus électronégative. Donc, il s'est bien passé quelque chose d'électrique. Et donc, pour revenir à l'appareil, le bioscope, ben, quand cette eau est donc secouée, ça amplifie le signal énormément. Donc, quand vous mettez, par exemple, je ne sais pas moi, des micro-organismes ou des engrais ou même des pesticides, ben, quand votre eau est secouée, vous allez amplifier le signal du produit qui est dedans. Ce n'est pas juste, ah, je mélange. Non, c'est vraiment, vous le secouez, vous le brassez, ça fait plein de mini-vortex et ça va amplifier le signal et vous allez pouvoir, quelque part, réduire les doses ou augmenter l'efficacité. Hein, donc, c'est très intéressant au niveau de l'agriculture et de l'électroculture. Hein, et ça peut se mesurer. Hein, ouais. Maintenant. Encore une autre info. C'est que là, on parlait des plantes, hein, ou des pesticides, ou des produits dans l'eau et du signal électromagnétique de ces produits. Ben, là, on se rend compte que l'eau est comme une cassette ou comme une clé USB quelque part. Mais ça va même encore plus loin. C'est que l'eau, ben, par exemple, nous aussi, on a un spectre électromagnétique. Quand on met cette sonde, par exemple, près de soi, hein, ben, on peut mesurer les spectres électromagnétiques qui correspondent à notre, à qui on est, on va dire. Hein. Donc, c'est tout un large spectre électromagnétique. Et là, il a pu mesurer que quand une personne est saine, en bonne santé, alors au niveau des fréquences, il y a un degré de cohérence élevé entre les fréquences, parce qu'on n'est pas que juste une fréquence, on est des milliers, des millions de différentes fréquences. Mais ces fréquences vibrent en harmonie l'un avec l'autre. Et quand on est en bonne santé, ben, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a aussi une harmonie entre ces fréquences. C'est un peu comme si vous aurez une salle de concert et que les musiciens jouent ensemble en harmonie et que ça fait une jolie musique. Mais ils peuvent être là aussi. Si vous êtes juste de la matière et une accumulation de matière, alors vous pourriez dire, voilà, vous avez des musiciens avec leurs instruments, mais ils jouent tous n'importe comment entre eux. Alors vous avez une cacophonie. C'est inaudible, ça vous donne mal à la tête, etc. Bah, non, il faut une harmonie. Et alors, il a pu mesurer que, parce qu'il fait des soins aussi énergétiques ou des thérapies de bien-être, hein, ou des soins qui aident à guérir les gens. Il fait ça en Suisse. Et maintenant, il a même des thérapeutes qui sont formés à ça. Mais il a pu mesurer que quand une personne est malade, ben, il y a beaucoup moins de cohérence entre ces fréquences. Donc, on retrouve de nouveau cette notion de harmonie, cohérence. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut faire comme vous le sentez dans le jardin ou dans vos champs. Si vous ne sentez pas quelque chose, c'est qu'il y a un truc désharmonieux. Parce que quand c'est harmonieux, ben, on se sent bien. C'est notre appareil de mesure, c'est notre sensation, notre intuition, est-ce que ça sent bien ou pas bien, ben, c'est très important ça. Et il a même pu mesurer certaines personnes qui sont décédées, qui avaient des graves pathologies et qui sont décédées, par exemple, 2, 3 semaines après. Ben là, il a pu mesurer en regardant de nouveau leurs mesures avant, qu'ils avaient un degré de disharmonie ou d'incohérence très très élevé. C'est un peu comme si on dépasse un niveau, un certain seuil d'incohérence ou de disharmonie, et après, tout tourne à la cacahuète, à tout tourne en cacahuète, et on meurt, on va dire. Parce qu'alors, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce qu'il y a votre main droite et veut aller par là,
Mais votre pied gauche, il veut appuyer sur l'accélérateur et il veut aller par là. Et votre tête, il regarde de l'autre côté. Bah, à un moment donné, si on roule comme ça, si on est pilote dans la vie comme ça, bah, on se retrouve dans le décor. Hein, c'est pas possible. Donc, il faut être cohérent. C'est très important. Voilà. Et c'est dans tout dans la vie. Hein, c'est dans tout, tout, tout. Voilà. Donc, je voulais vous dire, ah oui. Et donc, nous, on a un spectre électromagnétique aussi, une information, on va dire. On représente quelque part une information, tout un spectre électromagnétique, tout un disque dur. Et mais bien plus qu'un disque dur, hein, c'est vraiment voilà, tout un spectre électromagnétique, tout un univers. Ben, si maintenant vous avez un verre d'eau dans une pièce, et vous rentrez dans cette pièce, ben, on mesure le spectre électromagnétique dans l'eau de la personne qui rentre dans la pièce. C'est vraiment que l'eau est en résonance avec toute la vie qu'il y a autour. Vous voyez? L'eau est une antenne en soi qui capte en continu, qui enregistre en continu tout ce qui l'entoure. Donc ça, c'est vraiment impressionnant aussi. Hein? Donc ça va très loin. Hein? L'eau, c'est vraiment très spécial. Il y a même des théories qui disent que la planète Terre, ben, vous avez la tectonique des plaques, par exemple. Ben, on nous dit que voilà, tous les continents étaient ensemble. Là. Ben, voilà. Après, autour, c'était l'océan. Et après, ils sont divisés. Honnêtement, ça paraît un peu ridicule, cette théorie-là, parce que pourquoi ils étaient tous ensemble à un moment donné, et après ils sont divisés, et après vous avez les Amériques, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Inde, l'Australie à part. Ouais, ok, il y a une certaine logique qu'on peut comprendre, mais on n'est pas des neuneux non plus. Donc, il y a une théorie qui dit que la planète Terre était plus petite. Et après, elle est comme bombardée d'eau du cosmos et d'autres. Voilà, il se passe des choses que la matière se forme, se crée à partir de. Je dirais pas à partir de rien parce que ça paraît trop ésotérique, mais c'est pas vraiment à partir de rien. Hein, c'est des transformations, ben, et donc il y a l'eau qui arrive, il y a l'eau, ça gonfle. C'est comme si la planète gonfle, peut-être. C'est une théorie, hein, c'est une hypothèse. Et c'est vrai que, et ça c'est prouvé scientifiquement, qu'il y a des molécules d'eau qui viennent de l'espace et qui bombardent, continuent la Terre. Donc c'est comme si le volume d'eau sur Terre augmente. Hein. Donc ça c'est quand même très intéressant. C'est que l'eau c'est comme un messager aussi qui nous vient de l'espace. Il y a naturellement des cycles sur Terre de l'eau. Mais ce n'est pas que ça. L'eau, ça vient aussi du ciel. Et l'eau vient du ciel pour nous, hein. À notre niveau sur Terre. L'eau vient du ciel. Il pleut, l'eau vient du ciel. On fait une prière, il pleut. C'est quand même impressionnant. C'est quand même quand. Je vous invite à faire des prières pour la pluie. Ben, quand vous allez faire un jour une prière et qu'il pleut, là, vous allez vraiment comprendre ce que c'est. Le sacré, la prière, le. Je vais vous raconter une anecdote. Ça paraît un peu religieux ce que je dis, hein, mais je ne suis même pas d'une certaine religion. Après, je m'intéresse à certaines religions en particulier, mais j'ai été élevé tout à fait de façon très laïque. Pour vous dire même, après, je ne veux pas m'attirer tous les foudres, hein, je suis le premier à dénoncer, mais pour vous dire même, mon grand-père était dans la franc-maçonnerie, même, mon arrière-grand-père aussi. Après, dans ce temps-là, c'était peut-être différent. Ils étaient peut-être là, pas forcément avec des mauvaises intentions. Ils ont fait beaucoup de bien aussi dans leur vie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un problème, ce système en France et en Europe. Et maintenant, je le dénonce. Et moi, je suis contre tout ça. Hein. Je suis contre le culte du secret en général, dans tout. Hein. Donc, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai entendu plein d'histoires dans ma vie autour de ça. Et
Donc, ceux qui parlent de conspirationnisme, qu'ils en parlent, s'ils ont envie d'insulter les gens, de traiter. Non, on parle en connaissance de cause, c'est des réalités qui existent. Et nous, on est en train de mettre la lumière sur toutes ces réalités. Sur toutes ces réalités du sacré, ça existe vraiment, le sacré. Sacré, donc créé. Hein. Maintenant, pour revenir pour revenir à la pluie, à l'au-delà, à la prière, je me suis dit pourquoi plus de la moitié de l'humanité sur Terre prie, remercie les ancêtres. Vous allez en Asie, en Thaïlande, en Chine, même en Russie, ils prient les saints. Ils prient toutes sortes de saints. Où vous allez, même chez les Indiens d'Amérique du Nord, vous allez, ou les Indiens d'Amérique du Sud, partout, ils prient. Ils prient, ils remercient les ancêtres, ils remercient les dieux, les énergies qui nous dépassent, on va dire, hein, on les remercie. Et on demande leur aide, ou on implore leur aide quand il y en a besoin, etc. Et ils ont des résultats. Parce que moi, je me suis demandé un jour, c'était il y a bien, je ne sais pas quand exactement, mais c'est peut-être, je pense que ça devait être vers 2001, quelque chose comme ça. Parce qu'un jour, j'ai été très malade. J'étais très, très malade et je pensais que j'allais y passer. Que c'était possible j'avais tellement mal au ventre que des douleurs atroces pendant presque une semaine. Et un jour, donc, et à un moment donné, je me suis baladé dans la forêt. Et je me suis, ouais, j'en suis encore un peu émotionnel maintenant, mais c'est rare que je raconte cette histoire. Et je me suis baladé dans un petit bois qui était à côté de chez moi à ce moment-là. J'habitais près de Genève, à Versonnex. Et donc, je me promène dans ce bois avec ma compagne du moment, de ce moment-là. Et je m'assois au pied d'un chêne. Donc, justement, un chêne. J'y pense maintenant comme ça fait reliance avec ce qui se passe. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais écouté trop de protéodies, donc c'est des fréquences très spécifiques qui influencent le métabolisme, la synthèse des protéines. Mais j'avais entendu des protéodies qui ne m'étaient pas destinées, qui étaient destinées aux soins d'un patient. C'était avec Joël Sternheimer, l'inventeur des protéodies qui habite à Paris. Et Joël Sternheimer, c'est aussi un génie en soi. Hein, j'ai beaucoup appris de lui. Hein. Et donc, moi, j'avais écouté ces protéodies de façon accidentelle, on va dire, et j'étais tombé très malade. Et je voulais plus en entendre parler. Je voulais même plus écouter. Et lui, il voulait me proposer d'essayer de me soigner avec d'autres protéodies, mais c'était, on va dire, une réaction en chaîne. On ne savait pas où ça allait finir si j'allais vraiment arriver à guérir, ou si c'était vraiment un peu de l'apprenti sorcier, vraiment. C'était vraiment. Et un jour, il m'avait dit, parce que moi, je lui ai dit, voilà, si on écoute accidentellement certaines fréquences qui nous dérèglent tout la synthèse de protéines, l'expression génétique, et qu'on tombe malade, mais qu'on ne sait pas exactement quelle fréquence on a écouté, qu'on ne retrouve pas l'antidote, la fréquence antidote. Parce que si maintenant on écoute une fréquence à une protéodie qui est négative, qui nous perturbe, et qu'on sait laquelle c'est, alors on peut tout de suite écouter la version inhibitrice. Mais si on ne sait pas, de façon accidentelle, alors on ne sait pas, alors là, ça devient très dangereux. Très, 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 très dangereux. Alors là, on est vraiment dans l'apprenti sorcier. C'est un peu comme si on joue avec des substances radioactives. Et ça peut être très dangereux. Et là, moi, j'étais tombé très malade. Et je voulais pas prendre le risque d'être encore plus malade d'une certaine façon. Et alors là,
Donc, je me promène dans le bois et je m'assois au pied d'un chêne. Et là, vraiment, je n'étais pas religieux à ce moment-là, vraiment, mais j'étais vraiment au bout, hein, au bout. Et je me dis quelque chose comme, j'implorais vraiment, mais si Dieu existe aussi, dans l'univers, cette intelligence, bah, mais qu'elle me vienne en aide, qu'elle me soigne, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je peux vous dire que là, c'est vraiment, j'étais assis au pied de ce chêne, hein, c'était un chêne, hein, je me rappelle encore toujours où il est. Si un jour je retourne là, je le retrouve. Et je m'assois au pied de ce chêne. Je fais cette prière, on va dire, hein, cette demande. Et c'est vraiment comme ça. J'ai senti comme une énergie me traverser, hein, comme un, et ça m'a, ou de l'intérieur, on va dire, hein, et ça m'a soulagé. Et j'étais quasiment guéri. Je n'étais pas complètement guéri, mais j'étais vraiment, j'allais beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience de la puissance de la prière. Mais de façon intérieure que j'ai pris conscience, parce que je l'ai vécu. Hein, c'est pas. Voilà. Mais déjà avant, je me demandais pourquoi dans l'Asie, dans d'autres pays, on priait autant et pas dans nos pays occidentaux. C'est qu'il y a un problème, parce que je me dis, trois quarts de l'humanité sont quand même pas dans l'erreur. Hein, on nous fait croire par l'éducation et tout que on est rationnel, cartésien, qu'on est au top, hein, de la civilisation, mais on se rend compte que on n'est pas du tout au top. Hein. Vous faites un petit tour dans le monde, vous prenez l'avion, vous allez à Singapour, en Asie, n'importe, et vous verrez que on n'est vraiment pas du tout au top. Hein. Hein, au top maintenant, c'était peut-être dans certains passés en France, mais plus aujourd'hui. Ou en Europe, mais plus aujourd'hui. Sauf peut-être pour l'électroculture. Ah, rigolo un peu. Ah là là. Ah, donc, pour l'électroculture, là, au travail, pour être au top. Et donc là, j'ai vraiment pris conscience du pouvoir de la prière. Et pour moi, maintenant, tous ces systèmes d'électroculture, si on va plus loin vraiment, c'est vraiment quelque part des aides à relier le ciel à la terre, à aider à la communication de toutes ces énergies. Parce qu'on voit que, par exemple, une personne peut utiliser une pyramide, avoir d'excellents résultats, et une autre, beaucoup moins. Elle peut aussi avoir de très bons résultats, mais beaucoup moins qu'une autre. Donc, c'est bien qu'il y a aussi une interaction avec notre conscience, et avec l'au-delà, mais avec quelque chose. Vous sentez pas, vous, mais quand ça remonte là, je rigole, hein, parce que c'est de l'ail des ours. J'adore l'ail des ours, et ce soir j'en ai mangé un peu là, et alors ça sent l'ail des ours. Hein, je vous conseille, c'est super bon. C'est vraiment un produit de la nature. Hein. Donc là, c'est vraiment la saison. Hein. Même que ça devient même un peu tard. Mais voilà, pour rigoler. Mais donc, la prière est très importante. Hein. Très, très importante. Dans tout ce qu'on fait quelque part, la prière, ce n'est pas quelque chose de très difficile. C'est simplement, hein, moi, je vois la chose après. J'ai pas fait d'études de moine ou je sais même pas s'il existe des études pour ça, mais c'est simplement, il faut croire. C'est comme je dis toujours, il faut croire pour voir. Si on ne croit pas, on voit rien. Si on croit en rien, on voit rien. Voilà, c'est aussi ça. Alors, si on se met comme une autruche, on croit en rien, ben on voit rien, c'est normal, hein. Mais si on dit, voilà, tout est possible, hein, tout est possible, alors là, on peut commencer à voir beaucoup de choses. Alors là, on peut commencer à voir des choses extraordinaires. Et après, on voit, comme j'aime bien dire aussi, c'est que la vraie vie, elle n'est pas scientifique.
dans le sens que souvent on nous dit pour que quelque chose soit scientifique, il faut que ce soit répétitif, ça puisse se répéter, etc., etc., l'expérience puisse se répéter. Mais regardez une fois chacun dans notre vraie vie, les événements importants de notre vie, par exemple quand on rencontre notre future épouse, qu'on ne soupçonne même pas qu'on va se marier avec, quand on a notre premier enfant, quand on a plein de choses extraordinaires qui peuvent se passer dans notre vie, ben, ça ne se répète pas. C'est des moments uniques. La vie intéressante, on va dire, est une succession de plein de petits moments uniques. Hein, donc, ce n'est pas scientifique. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vie-là. Ce n'est pas la vie scientifique, boulot, métro, dodo. Hein, ça, c'est répétitif. Ça, c'est scientifique, boulot, métro, dodo. Non, ce n'est pas intéressant. Hein. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Hein. Donc, où est-ce qu'on était? Je vais commencer à lire vos commentaires. Hein. Je ne savais même pas que j'allais parler de tout ça aujourd'hui, hein, honnêtement. Mais pour vous dire, voilà, c'est que quand même, on est un peu inspiré hein, parfois. Donc, bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Loïc. Hein, Loïc, qui fait aussi un travail extraordinaire autour de l'électroculture, hein, pour la vulgarisation et la diffusion de ces savoirs et aussi de la permaculture. J'en parlais justement tout à l'heure au téléphone avec lui, hein, que j'étais impressionné de voir dans la librairie tous ces livres autour de la permaculture. C'est un peu comme si d'autres façons de faire le jardin, hein, donc les anciennes techniques ou avec tous les pesticides, c'est comme si ça n'existait plus, hein. C'est comme si c'est dépassé maintenant. Hein. Donc, ça montre bien que notre société change. Hein. C'est partout, hein. C'est dans le monde entier, hein. C'est pas qu'en France. C'est vraiment une émergence qui vient de l'intérieur, hein. Mais moi je vois ça comme ça, où on recherche de nouveau à se rapprocher de la nature, à être plus en harmonie, à respecter le vivant, à respecter beaucoup plus le vivant. Donc, ça, c'est vraiment important. Bonsoir, Damien. Oui, Damien, je vais te contacter bientôt. Damien Lorieux, il fait un excellent vin aussi. Hein. Je suis comme ça, hein, Damien. Et je pense qu'il est sûrement encore meilleur en ce moment. Comme tu apprends énormément de choses tous les ans, hein, Donc, Damien était venu à un de mes stages aussi et je voyais c'est une personne qui est très à l'écoute, très éveillée et qui donc ça veut dire aussi en général c'est ce genre de personne qui apprend et donc qui s'améliore dans la vie à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Hein. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Roland, bonsoir Vincent, bonsoir Magali. Ben Magali racontait aussi des anecdotes hein, où elle chantait où elle faisait de la musique. Donc elle est musicienne et chanteuse, où elle chantait pour ses semis. Hein, je suis sûr que tes semis se portent bien, ou je l'espère en tout cas. Bonsoir David Wolf. Ah oui, donc David il dit. Stéphane Cardino, lui, c'est un géobiologue qui a écrit plusieurs livres très intéressants aussi en Suisse. Et lui, il a fait beaucoup de recherches avec le bioscope. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas trop au courant de ses recherches à lui, mais j'ai un peu vu passer ses recherches. Hein, oui, je confirme que c'est très intéressant. Hein. Donc bonsoir Patmeuse. Oui, donc Patmeuse, il m'a appelé dernièrement pour partager des petites découvertes qu'il a fait. C'est par rapport à l'électroculture. C'est qu'il m'a raconté, et ça je vous le partage hein, de sa part. Ah, il pourra peut-être aussi partager plus d'infos là-dessus. C'est que il s'est posé des questions par rapport à l'angle des pyramides à 51 degrés et aussi l'angle après même moi je connais pas par cœur mais je pense que l'angle là entre
L'arête qui monte et la base, je pense, c'est 42 degrés là. Donc, quand on a la face par rapport à la base est 51 degrés de la pyramide classique, je pense que là, entre l'arête qui monte et la base, c'est 42. Voilà. Ah, donc, vous sachiez. Ben, ce qui est très intéressant, c'est que il m'a dit que les arbres fruitiers en espalier, qui étaient taillés comme on voit dans les jardins des châteaux dans le temps des rois, hein, des princes, des rois, etc., ils suivent des angles, ils font aller les branches dans certains angles. Ben, ces angles correspondent à ces angles-là. C'était souvent autour de, dans les 40 degrés ou 51 degrés, il m'a dit. Donc ça, c'est à vérifier. Je vous invite à vérifier ça si vous retrouvez des données sur ces anciens savoirs, parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Après, il m'a aussi dit, par exemple, quand on prend un cercle, et donc ça rejoint l'histoire des cônes, hein. Donc ça fait penser aussi aux cônes comme sur la tour ronde. Mais là, les cônes de Luigi Ghina, dont on a déjà parlé dans des lives précédents. Ben, quand vous prenez un cercle et vous le divisez par 7, prenez votre calculette, vous divisez par 7. Parce qu'il me demandait pourquoi le chiffre 7. Et alors, moi, j'ai dit, ben, il y a les 7 notes de musique, les 7 planètes importantes dont on parle toujours. Il y a, donc, on dirait que le 7 est important dans l'univers, hein. Et dans le diapason classique, on va dire, utilisé, communément utilisé, ben, on utilise les 7 notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, de nouveau. Et ça se répète comme ça, octave après octave. Et ben, quand on divise par 7, on retrouve de nouveau le chiffre 51. Voilà. Encore autre chose. L'eau. Comme quoi les pyramides sont liées à l'eau. C'est que quand vous prenez l'eau, une goutte d'eau, et le soleil brille dedans, donc, donc par exemple il pleut et vous voyez un arc-en-ciel, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil, il va rentrer dans la goutte d'eau, il va être reflété de l'autre côté sur la paroi intérieure de la goutte, et ça va diffracter la lumière dans les couleurs de l'arc-en-ciel, et ça va ressortir de la goutte d'eau vers votre œil, et vous voyez l'arc-en-ciel. Ben, l'angle à l'intérieur de la goutte, ouais, je pensais à l'intérieur, ou l'angle entre le rayon qui rentre et qui sort. Ben, quel est l'angle? Devinez, 51 degrés. C'est quand même impressionnant. Et vous avez aussi les 7 chakras qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous voyez comment tout est lié. Vous voyez comment l'au-delà nous apporte énormément de messages, énormément de connaissances. Et vous voyez que la dimension des pyramides n'est pas par hasard. 51 degrés n'est pas par hasard dans cette proportion-là. Et on pense que, on discutait avec cinq pattes, c'est qu'ils ont choisi la proportion de la pyramide pour avoir cet effet harmonisant, justement. Parce que c'est bien connu que les couleurs de l'arc-en-ciel sont très harmonisantes. C'est même utilisé dans des centres de soins psychiatriques aussi sur les gens. Quand on regarde les couleurs, ça nous aide à nous harmoniser aussi. Il y a un livre très intéressant là-dessus, c'est de Jean-Michel Weiss, que c'est aussi un inventeur, chercheur que j'avais rencontré, qui est décédé maintenant. Mais j'avais pu le rencontrer un jour dans ma vie. Il m'a aussi impressionné. Ben, je pense que j'ai son livre là, quand je regarde là dans la bibliothèque. Mais ben, si je le retrouve, là maintenant je ne vais pas me déplacer, mais le retrouve, je montrerai dans un futur live. Donc il s'appelle Jean-Michel Weiss. Ouais.
Attendez un instant, je vais quand même vite voir, comme ça je peux vous le montrer, parce que c'est un livre qui mérite d'être connu. C'est sur la médecine par la lumière, quelque part. Il y a aussi un autre livre très intéressant là-dessus, c'est Light, the Medicine of the Future. Ça, c'est en anglais. C'est un petit livre super intéressant où il montre que au début du siècle, il y avait des hôpitaux qui utilisaient la lumière que pour soigner les malades avec des lentilles, des prismes, etc. Et c'était utilisé dans certains hôpitaux, beaucoup dans le nord de l'Europe. Et même pour des maladies graves, hein, pour aider à harmoniser et accélérer la guérison. Hein. Ouais, je reviens tout de suite, je vais vite voir ce livre, comme ça je peux vous le montrer. Ah, bah ce livre était juste à côté d'un autre livre dont je vais vous. Moi, je ne vais pas vous parler spécialement de ce livre, mais ça rejoint un peu tous les événements qu'il y a en ce moment. Hein. C'est comme on parlait du chiffre 7, le livre 7777, la chute du Vatican et de Wall Street selon Saint Jean. Voilà. Donc c'est par l'auteur de l'enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovitch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite vraiment à découvrir Pierre Jovanovitch. C'est Jovanovic ou Jovanovitch, je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais vraiment, c'est des livres passionnants. Hein, et le personnage est passionnant aussi, hein, vraiment. Saint Jean. Ouais. Donc 777, donc comme on parlait du chiffre 7. Hein. Et pour vous dire, sa page Wikipédia est censurée, il est censuré dans les banques, les banquiers, ils n'ont pas accès à ses pages à Internet, c'est censuré parce que ça dérange. Hein. Et ça rejoint très fort tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité en France et dans le monde. Hein. Ouais. Donc ça c'est le livre là, Jean-Michel Weiss, vous voyez. Jean-Michel Weiss et Maurice Chiavelli, se soigner et guérir par les couleurs et les sons. Voilà. Le corps humain, un clavier aux notes colorées. Voilà. Donc après tout ça, vous pouvez aussi, quelque part, reproduire sur les plantes. Hein. Bah justement, il y a Andrea, il aime bien travailler avec les couleurs. Hein, ou la communauté d'électroculture italienne, on va dire, là, aime bien travailler avec les couleurs. Ben, on retrouve dans ce livre, hein, ben, comme on avait vu l'histoire de la coquille d'escargot, hein, et du yin et du yang. Hein, donc vous voyez, ben, ça se rejoint, hein, vous voyez. Ça se rejoint. Hein. Donc, il y a énormément de choses dans ce livre de connaissances, énormément de connaissances de ce type, hein, autour des symboles aussi. Donc là, je vais vous montrer, j'avais vu vite fait une image que je, voilà. Ah, ça, c'est le triskel en couleur, mais j'adore ça. Le triskel. Donc là aussi, il y a un livre, hein, sur le triskel et l'électroculture de Michel Panazol. C'est plus un livre radiesthésie et tout, mais quand même, ça montre la puissance du triskel. Hein, donc il a d'excellents résultats avec cette forme-là. Et le triskel, c'est vraiment une forme assez spéciale. Hein. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Donc, maintenant, pour vous dire, voilà, les premiers cônes sont arrivés. Merci à Andrea et merci à l'Italien qui les a fabriqués. Et donc là, bientôt, j'en ai encore recommandé ailleurs. Donc, tous ceux qui en ont commandé, je vais vous recontacter ou n'hésitez pas à me renvoyer un email pour me rappeler que j'oublie aucun d'entre vous.
Donc, vous mettez bien dans votre email votre adresse de livraison, téléphone que je peux vous appeler. Je vais le mettre sur le site pour le paiement des frais. Hein. Donc, voilà. Et donc, vous avez aussi le plan. Hein. Si vous connaissez quelqu'un avec une imprimante 3D, vous voulez faire vous-même imprimer par des sociétés qui impriment, je peux vous envoyer les plans. Ils sont déjà dans des commentaires sur d'autres lives et d'autres posts, hein, mais je peux vous l'envoyer si vous en faites la demande. Voilà. Donc, comme ça, on peut faire facilement les cônes en spirale sur les plantes. Hein. C'est très intéressant pour nos expériences. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, encore une nouvelle. Les émetteurs sonores sont arrivés. Les premiers sont arrivés. J'ai déjà commencé à livrer les premiers clients qui m'en ont commandé. Hein. Hein, donc, vous avez un bouton là pour l'allumer, hein, et régler le volume. Et après, vous avez juste le câble qui sort et que vous mettez sur un panneau solaire ou une batterie. Même 9 volts, ça fonctionne. Hein. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Hein. Donc là, une batterie 9 volts. Hein. Donc, vous mettez dessus. Oui, attendez, j'ai mis un peu fort. Vais mettre pas trop fort. Attention. Voilà, vous entendez? Voilà. Juste avec une batterie 9 volts. Hein. Et ça peut fonctionner plusieurs jours avec une batterie 9 volts. Vous voyez? Voilà. Et je peux vous dire, ça marche très bien. J'ai fait le test sur ma glycine contre le gel. Donc, ça protège contre les gelées printanières, ces fréquences. Hein. Donc, il y a eu 3 nuits où il y a eu plus de moins 2. Donc, il y a eu 2 nuits. Une nuit à moins 2,8 et une nuit à moins 2,9, et ça gelait déjà depuis le soir jusqu'au matin. Et une nuit, je n'avais pas mesuré, donc je ne peux pas vous dire, mais il avait aussi bien gelé quand même. J'ai jamais vu ça. D'habitude, quand il gèle, ma glycine, toutes les fleurs sont gelées, c'est foutu. Hein, donc il n'y a plus de fleurs, tous les boutons de fleurs gèlent. Là, je peux vous dire que. Peut-être qu'il y a la moitié qui a gelé, mais pas tous. Donc, il y a encore plein de fleurs, donc c'est magnifique. Là, elle fleurit, là, elle est, ben, il y a déjà un quart qui fleurit et les autres fleurs vont se mettre à fleurir. Donc, c'est magnifique. Pour vous dire, comparativement, j'ai un lilas qui est à une dizaine de mètres. Et lui, il a complètement gelé, sauf les feuilles au-dessus. Tout au-dessus, ils ont moins gelé, mais on va dire qu'il n'y aura pas beaucoup de fleurs dessus à cause du gel. Mais ça montre que l'effet de ces fréquences est très efficace contre les gelées printanières. On va dire que ce n'est pas contre, parce que j'aime pas utiliser ce mot, parce qu'en réalité, c'est contre rien du tout. C'est que ça va augmenter la résistance de la plante aux situations de gel, tout simplement. Donc, on n'est pas à lutter contre quoi que ce soit. C'est simplement, voilà, c'est la nature. S'il gèle, et c'est normal. Mais c'est juste qu'on va augmenter la résistance, comme ça devrait être des plantes, hein, augmenter la résistance au gel. Voilà. Et après, il n'y a pas de problème. Et après, il n'y a pas de dégâts. Et donc, les gelées printanières ne sont pas un problème. Voilà. Ce sont un problème parce qu'on l'a créé, le problème, parce qu'on a exterminé les oiseaux, parce qu'on a exterminé les insectes, on a exterminé, ou l'humanité, par cette technique, a exterminé les oiseaux, les insectes, et alors il a créé un problème qui est les gelées printanières. Mais les gelées printanières ont toujours été là, à mon avis. Et après, c'est pour ça que ces émetteurs, ben, on est obligé de faire ça quelque part, parce qu'il n'y a plus assez d'oiseaux. Voilà. En même temps, j'ai aussi fait des nichoirs. Et les nichoirs que vous avez vus sur mes photos, sur mon Facebook, là,
Je peux vous dire, on a déjà au moins deux qui sont habités. Donc, je les ai installés il y a 2 semaines, même pas. Et on a déjà deux avec des mésanges qui vont dedans. Donc, c'est quand même magnifique. Hein. C'est un cadeau du ciel. C'est que vraiment, ils attendaient leur petite maison. Hein. C'est que vraiment. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous invite à faire des nichoirs aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à lire vos commentaires. Et là, je viens de penser justement à un livre de Jovanovic qui s'appelle, c'est plein dans le mille par rapport à l'actualité, hein, c'est Notre-Dame de l'Apocalypse. Vous imaginez le titre par rapport à ce qui se passe là maintenant dans l'actualité? Et c'est un livre qu'il a écrit il y a déjà... Il y a déjà longtemps, il y a longtemps de ça. Ben, dans la vidéo, je suis tombé sur cette vidéo vraiment par hasard. Je ne cherchais même pas cette vidéo. Je cherchais une vidéo, je pense sur, je sais pas, c'était sur la pyramide ou sur ou sur le jardin ou sur quelque chose, un documentaire de quelque chose. Je me rappelle même plus. C'était hier par hasard. Et après, je tombe sur cette vidéo. Ah, je vois ça dans le défilement. Et après, je me dis, je vais une fois cliquer dessus, je vais regarder. Et là, à 9 minutes 40 où il présente ce livre, hein, sur YouTube, Notre-Dame de l'Apocalypse, il parle d'un observatoire astronomique du Vatican. Suis pas pour le Vatican, hein, rassurez-vous. Mais c'est ce qu'ils ont découvert, ce qui est intéressant. Cet observatoire a découvert, donc c'est ce qu'il raconte, que quand le soleil touche l'horizon, et ça c'est décrit dans les techniques de Agnihotra, donc j'ai un site internet là-dessus, je vais vous le noter tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une technique indienne ancestrale qui aurait plus de 5000 ans, et qui sert, c'est une technique de purification par le feu qui améliore, à qui purifie à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. Et ça prend 5 minutes à faire, pas plus. C'est quelques minutes. Et c'est une technique qui rejoint un peu la biodynamie. On voit que Rudolf Steiner a été comme inspiré peut-être par ces connaissances-là. Parce que Rudolf Steiner, donc le fondateur de la biodynamie, on va dire, était en relation avec des philosophes indiens comme Krishnamurti, par exemple, qui est très connu. C'est aussi très intéressant tout ce qu'il écrit, sa vision de la société, etc. Très intéressant aussi, et du monde. Et de la nature. Krishnamurti, c'est celui qui médite en se promenant. Moi, j'aime très bien ça. Quand j'étais étudiant, adolescent, je faisais une promenade tous les jours dans le bois. Je revenais d'école, j'allais me promener avec mon chien dans le bois. Tous les jours. Si je ne faisais pas ça, ah, c'était... Je ne me sentais pas bien. C'était vraiment, j'avais besoin de ça. Et dans un bois, dans la nature, on ne se sent jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Moi, je ne me suis jamais senti seul dans le bois. Même la nuit, on ne se sent jamais seul. On se sent entouré, on se sent connecté à la nature, on est branché. Hein, c'est le cas de le dire, dans le bois, il y a pas mal de branches. Hein, donc, on est branché quelque part. Hein. Si on veut retourner à l'essence, on va dans les bois. C'est vraiment idéal. Maintenant, pour revenir à Rudolf Steiner et le lien avec ce livre Notre-Dame de l'Apocalypse et le chêne, hein, on a parlé du chêne aussi au début du live. Et de mon expérience là avec la prière et le chêne et la guérison. Comment dire? Ouais, donc dans Agnihotra, c'est une technique ancestrale, je vous invite à regarder. Hein, donc je vais le noter. Hein, il y a une conférence entière sur le site, hein, Agni,
Donc, c'est une technique indienne. En Inde, il y a même des recherches scientifiques sur le sujet, hein, parce que c'est très, très mystérieux, hein, mais en Inde, les scientifiques osent faire des recherches sur ce qui est mystérieux et difficilement, rationnellement compréhensible, hein, et ils voient des effets impressionnants. Et mon ami allemand, par qui j'ai appris à connaître ça, c'est Michael Wust, hein, qui est aujourd'hui décédé, malheureusement, mais qui est toujours là quelque part, hein. Et lui me disait toujours, Agniotrin, c'est scientifique. Pourquoi? Parce que si on fait le rituel de purification, ben, il y a toujours des choses qui se passent, ça va toujours mieux. Ça purifie, ça éloigne les mauvaises énergies ou ça les supprime, ça améliore toutes les énergies à l'intérieur de soi. Notre esprit devient plus clair, on devient plus focus, on devient plus positif. On trouve des solutions, même si on broie du noir, on broie du noir. Ben, si on fait ça, tout de suite, tout va mieux. Mais j'en ai vu des anecdotes, des témoignages, des choses dans mon entourage autour de ces rituels. C'est impressionnant. Donc, agniotrin-pratique.com. J'ai fait un petit site internet en français là-dessus. Maintenant, pour ceux qui parle anglais, allemand, même espagnol, vous allez trouver beaucoup plus d'informations sur Internet, hein, et dans des livres. Mais en français, il n'y a quasiment rien. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un site Internet il y a, c'était vers 2010, comme ça, ou 2000, 2009, 2010, quelque chose comme ça, je pense. Donc, voilà, je vous ai mis là le lien. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans Agniotra, c'est que il faut faire ce rituel. Alors, il y a trois rituels. Il y a un rituel, c'est un mantra comme une prière qu'on dit en ancien, en sanskrit. Donc, c'est une des langues les plus anciennes du monde, le sanskrit. C'est encore plus ancien que le latin, le grec, etc. Hein. Le sanskrit. Et il paraît que la langue russe serait la langue la plus proche du sanskrit aussi. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi. C'est une langue très riche, hein, aussi le russe, très, très, très spécial, très intéressant. Et je ne suis pas un linguiste, hein, mais ça m'intéresse les langues. C'est peut-être parce que j'étais peut-être assez mauvais en langue à l'école. Alors ça m'intéresse. pour dire, voilà. Mais ça m'a toujours intéressé, ces anciennes langues, même le latin, le grec. Et donc, il dit, dans ce rituel Agniotra, il y a un rite du matin qui dit qu'il faut faire quand le soleil se détache de l'horizon. Imaginez, voilà, vous avez, voilà, le soleil. On va dire que ça, c'est le soleil, le ver de vin, là, doré. Donc, c'est jaune, la couleur jaune. Ce n'est pas par hasard que je dis ça, hein, vous allez comprendre après. Donc c'est jaune, vous voyez? Et là, donc là, il se lève. Voilà, vous voyez, il se lève, il apparaît. Et là, au moment où il se détache de l'horizon, hop, c'est vert. Et je n'ai même pas fait exprès. Mais le ver de vin alsacien, vous voyez, il a le pied vert. Ben, vous voyez, donc là, on refait. Donc là, vous avez la couleur du bleu. Donc ça, c'est la mer, hein, du livre là. Donc là, voilà. La couleur du bleu. Et l'horizon, on va dire, c'est la raide du livre là. Et après, hop, il se détache de l'horizon. Hop, et c'est vert. Pourquoi j'ai dit c'est vert? Ouais, c'est un vert, on est d'accord. Mais c'est vert de couleur verte. Parce qu'il est dit qu'il y a un rayon vert qui apparaît. Donc il y a un rayon vert, mais vraiment, c'est une fraction de seconde. Et là, j'ai une dame qui s'appelle Danielle Bedbeder en Dordogne, qui va régulièrement sur la côte atlantique, qui fait. C'est une dame remarquable qui participe à soigner la terre à sa façon, hein, on va dire comme une chamane, on va dire d'une certaine façon. Elle va rigoler si elle m'entend. Mais. Et elle m'a dit, un jour, elle était donc au bord de l'Atlantique.
Et elle a regardé le soleil se lever et elle a pu prendre photo à cet instant et on voit vraiment le rayon vert. On voit vraiment la couleur verte entre le soleil et l'océan. On voit vraiment le rayon vert. Et donc ça rejoint cette connaissance ancestrale d'Agnihotra où il parle de ça. Donc c'est pas quelque chose d'ésotérique, non, c'est une vraie réalité. Et quelque part, vous avez vu la coïncidence, j'ai même pas fait exprès, hein, du vert, voyez, du rayon, la couleur dorée du vin de David, hein. Vous avez David, en plus, ouais, du vin de David, et c'est quand même fou, vous avez l'histoire de David et Goliath, et David, ben, le vigneron qui fait ce vin, il s'appelle David. Non, c'est vrai, ce n'est pas pour rigoler, c'est sérieux. Donc, ben, le vin de David, donc le soleil, là, ben, hop, et en plus un verre de vin alsacien, vous voyez, et rayon vert, voilà. Et après, vous avez. Et quand on retrouve, ou quand on regarde les recherches de Luigi Ghina, Andrea, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il y a la couleur jaune du soleil. La couleur bleue de la planète Terre, parce que de l'espace, on voit la planète comme bleue. Et après, la fusion des deux, ça fait quoi? Le vert. Vous voyez? Hein? C'est fou, hein? Donc ça, c'est un message de l'au-delà. Vous voyez? Hein? Le vert. Hein? Le vert est dans le bureau, je vous avais dit au début du live. Oh là 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 là. Je suis inspiré aujourd'hui. Après, ça fait peut-être pas rire tout le monde, mais moi, ça me fait rire. C'est déjà ça. C'est rigolo. Voilà, maintenant, ben, j'ai tout bu. Donc, l'inspiration, je ne sais pas si j'en aurai encore. Voilà. Donc, c'est quand même assez fou comment on retrouve ces histoires dans différentes approches. Vous avez Luigi Ghina, il connaît pas du tout les recherches. Agnihotra, il n'a peut-être jamais entendu parler de cette connaissance ancestrale. Pourtant, ses propres recherches l'amènent aux mêmes conclusions, à la même découverte que cette connaissance ancestrale de Agnihotra. Vous voyez? Ou du témoignage de Daniel qui prend une photo du lever du soleil à l'océan. Vous voyez? Comment tout ça se rejoint. Vous voyez? Donc là, vous n'allez pas lire un article scientifique là-dessus. Ah si, il y a le Vatican qui a découvert scientifiquement que c'est une réalité, que quand le Soleil se détache, il y a un rayon vert. Voilà, astronomiquement, avec leur télescope, ils ont découvert ça. Voilà. Et justement, dans cette vidéo de Notre-Dame de l'Apocalypse, je vous invite à le regarder, à 9 minutes 40, à quelques secondes après, il parle de ça. Voilà. Ben, je vous invite à regarder tout le livre et cette vidéo, hein, toutes les vidéos de Jovanovic d'ailleurs. Mais c'est pour dire, voilà, quelque part, ce qui se passe, c'est un peu comme Rudolf Steiner, il disait aussi, hein, c'est qu'il faut retrouver le sacré. On est là pour spiritualiser la matière d'une certaine façon. Et ça, Charles Hubbard, donc l'agriculteur qui était en Nova Scotia, qui est décédé aussi il y a quelques années seulement, que j'avais aussi rencontré. Et Charles Hubbard, lui, il faisait des expériences autour des effets des pyramides sur les plantes. Hein. Donc il récoltait 40 à 80 pommes de terre par plant autour de sa pyramide et dans sa pyramide. Voilà. Nous, on arrive facilement 10-15 pommes de terre. Mais vous voyez, on a encore du progrès à faire pour arriver à 40 à 80. Mais je peux vous dire que Charles Hubbard, il n'était peut-être pas un curé ou un moine ou machin, mais quelque part, il était un moine d'une certaine façon entre nous. Il était vraiment relié, connecté. Il avait vraiment compris qu'il faut retrouver ce sacré dans toute la vie qui nous entoure. Hein? Et c'est ça. Ouais, et c'est là qu'il faut en venir. Hein. Donc, l'électroculture, toutes ces antennes, naturellement, je le promouvois et j'encourage à utiliser parce que ça nous permet quelque part,
de stimuler toutes ces énergies et de nous rapprocher de ça. Mais moi, au début, l'électroculture, pour vous raconter, c'est j'avais une approche au début très rationnelle, comme certains d'entre vous d'ailleurs, hein. Mais c'est par la force d'expérimentation, d'observation, que ça m'a amené à des choses plus spirituelles aussi, hein. Et à devenir plus branché quelque part. Hein. Ouais. Et par ces expériences, ces différentes expériences, comme cette expérience au pied du chêne, hein, c'est une expérience parmi d'autres. Hein. Comme ce circuit Lakowski rencontré à Strasbourg lors de ma balade. Là. Donc c'est quand même impressionnant. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je vous ai raconté ça. J'espère que ça vous a intéressé. Ah ben là, on est à 51. Voilà comme les 51 degrés. Hein, je vois que là, on est à 51 à écouter ce live, à être là. Hein, ça, j'aime bien. Après moi, honnêtement, je ne cherche pas non plus à être 1000 dans le live. Ce qui compte, c'est d'être simplement, on suit le mouvement, on suit les signes, on suit ce qu'on a à faire et on est toujours là entre les bonnes personnes, on va dire. C'est qu'il y a un message qui doit passer entre nous et parfois on rencontre juste une personne, mais c'est la personne clé du jour importante à rencontrer. Pour nous faire progresser nous et faire progresser l'autre, hein, et faire progresser tout le monde après, d'une certaine façon. Chaque rencontre, souvent, par exemple, quand j'ai rencontré Jacques Benveniste dans le passé, qui a fait des recherches autour de la mémoire de l'eau, sur le moment, je ne me rendais même pas compte, à la limite, je connaissais à peine qui il était, sur le moment. Si j'avais déjà vu une conférence de lui, je trouvais ça passionnant. Je savais quand même qui il était à ce moment-là. Mais il y a parfois des personnes que j'ai rencontrées que j'aurais jamais cru, que je ne savais même pas qui c'était. Un exemple, Emoto. Emoto sur les messages sur l'eau dont on parle là. Lui mettait des messages comme amour, gratitude, des choses comme ça sur l'eau. En 2001, j'ai fait une conférence à Genève. Devant une salle, il y avait des centaines de personnes. Mais ils n'étaient pas spécialement là pour moi. Ils étaient là beaucoup aussi pour la conférence qu'il y avait juste avant, qui était de qui? De Emoto. Masuro Emoto. Et lui, il parle aussi d'Agniotra. Vous avez une vidéo de Emoto où il parle aussi un peu d'Agniotra. Hein. Si vous cherchez sur Internet, vous trouvez sur YouTube. Je pense que j'ai mis le lien sur mon site d'ailleurs. Et sur mon site agniotra-pratique.com. Moi, j'avais fait là une conférence juste après Emoto, mais je ne me rendais pas compte de l'honneur déjà de pouvoir faire la conférence à ce moment-là, et juste après lui. C'était un grand honneur et c'était vraiment impressionnant quelque part. Mais je ne connaissais pas encore trop Emoto à ce moment-là. Et j'ai même pas pu assister à sa conférence parce que je me préparais pour faire moi-même la conférence pendant que lui, il faisait sa conférence. Donc, voilà. Parfois, on est un peu le cordonnier le plus mal chaussé d'une certaine façon. Maintenant, pour revenir à l'histoire de Notre-Dame, comme je disais aussi, pour une flèche de tombée ou une antenne de tombée, on en reconstruit des dizaines d'autres. C'est ça ce que je trouve important, c'est que ça doit nous donner la motivation à aller encore plus loin, à continuer ce qu'on fait, nos expériences d'électroculture, montrer qu'on peut cultiver dans nos jardins, dans l'agriculture aussi, avec d'autres méthodes et dépasser les résultats du conventionnel, donc montrer que c'est mieux, que ça fonctionne mieux, que les résultats sont là. J'ai encore reçu d'excellentes nouvelles d'agriculteurs qui ont des centaines d'hectares, qui vont maintenant faire des tests vraiment sur de nombreux hectares avec les fils de fer galvanisé, les antennes magnétiques par exemple, et
Et aussi le basalte paramagnétique et la pyramide aussi. Hein. Donc, je pense que les prochains mois et années à venir, ça va être impressionnant. Ça va pleuvoir des résultats. Ça va être vraiment le festival de l'électroculture. Hein. Et donc, pour revenir à ça, au festival, j'en ai encore parlé à Chloé tout à l'heure. Je pense vraiment organiser 2 jours cet été chez moi où les gens pourront même camper, 2 jours de rencontres autour de l'électroculture. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire un petit mail dans quelle période ça vous arrangerait peut-être le mieux. Je pense peut-être faire la fin de l'été, vers fin août, quelque part, quand il fait encore beau, mais que nos jardins ont déjà donné plein de résultats, donc on a beaucoup de choses à partager. Je pense que c'est une bonne période, hein, donc avant la rentrée, vers mi-août peut-être, ou fin août, ou début août, hein, à voir. Donc je pense que je vais mettre ça sur mon site, donc ce serait 2 jours, hein, mais peut-être même 3 ou 4 jours, mais on va dire officiellement 2 jours. Maintenant, s'il y en a qui veulent rester 1 jour ou 2 de plus, s'ils campent, ça peut être possible. Donc voilà, je vais annoncer ça sur mon site bientôt. Hein. Oui, pour revenir à Notre-Dame, pour moi, c'est vraiment un signe hein, qu'on doit vraiment. C'est un signe de nous relier au spirituel. Hein. C'est pas juste. Comme il y en a qui disent, c'est juste un tas de pierres. Oui, ok, c'est des pierres. Mais ça nous rappelle à cette importance hein, de nous relier au spirituel, hein, au sacré. Tout est sacré autour de nous. Chaque être vivant, quand on a une naissance, par exemple un enfant qui naît, ben c'est indescriptible. Hein, pour vous dire, moi, j'aurais jamais pensé ça, mais quand ma fille est née, j'ai vécu une semaine, mais comme dans une autre dimension. Hein, je peux vous dire, c'était la plus belle semaine de ma vie, hein, le plus beau jour de ma vie. J'aurais jamais cru ça. Mais c'était impressionnant. Hein, c'était un être, un nouvel être sur Terre, il naît. C'est quand même impressionnant. Ben là, il y a quelques jours, il y a les hirondelles qui sont arrivées, mais il y a aussi des oies qui sont nées aussi. Hein, donc, c'est des oies, c'est là. Donc, là, moi, j'ai un couple d'oies d'Alsace. Hein, j'ai l'honneur ou la chance d'avoir un couple d'oies d'Alsace. C'est une race en voie de disparition. Il n'y en a vraiment presque plus. Les races locales, il n'y en a presque plus. Hein, même dans votre région, informez-vous sur les races de poules, d'oies locaux et élevez-les, multipliez-les parce qu'il n'y en a presque plus. Hein. Hein, donc, ils ont eu 6 petits. Voilà. Hein, vous avez le livre 6777, vous avez aussi le livre 666. Hein. Voilà. Donc, ils ont eu 6 petits. Voilà. Ils sont en pleine forme et voilà, c'est super. Donc, maintenant, voilà. Bonsoir Thierry, bonsoir Magali, bonsoir Johan, Sébastien. Donc, je vais un peu essayer de lire vos messages et répondre aux questions parce que là, je vois qu'on est de nouveau presque à 2 heures. Hein. Donc. Merci pour tous vos travaux, m'ont permis d'avancer dans mes propres recherches. Donc, Jérôme Maury. Ben, merci Jérôme, hein, n'hésite pas à partager aussi. Je pense que toi, tu t'intéresses aussi énormément aux pyramides, justement. N'hésite pas à m'appeler un jour, hein, à échanger un peu sur le sujet. Et si toi, tu as aussi des informations que tu penses qui sont importantes à partager, n'hésite pas à nous. Là, dans le groupe, on s'intéresse énormément, surtout aux effets des pyramides et à la signification des pyramides. Hein, voilà. Bonsoir Lucky, bonsoir Thierry, Orgas, bonsoir Orgas.
Ouais, donc on est de nouveau une communauté assez internationale. Hein, on a vraiment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc y a une dame qui est venue du Japon spécialement là. Ça faisait des années, je pense qu'elle n'était plus revenue en France. Elle est revenue me rendre visite. Elle m'a prêté elle m'a offert un livre d'un japonais. Qui parle des effets des champs magnétiques sur les plantes, sur les semences, sur les animaux. C'est vraiment passionnant, mais moi, j'arrive juste à lire les images, on va dire, à les dessins qu'il a mis, qui ont l'air très intéressants. Hein? Donc, j'ai discuté toute une journée avec Yoko. Elle s'appelle Yoko. Ah, je ne trouve plus son nom, mais je pense qu'on va encore entendre parler d'elle. Et peut-être qu'un jour, je vais aller au Japon faire une conférence ou un stage d'électroculture, parce que on dirait que là-bas, il y a aussi vraiment de l'intérêt pour cette technique. Elle a été très intéressée par les antennes Lakowski, les circuits Lakowski, elle ne connaissait pas trop. Je lui ai raconté l'histoire de l'importance des circuits ou de la possibilité avec les circuits Lakowski de soigner des effets nocifs des ondes et des radiations, hein, parce que là-bas c'est un problème naturellement avec l'histoire de Fukushima. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le test énergétique, donc le test musculaire sur elle, elle était normale, on va dire, mais quand j'ai mis le circuit Lakowski, ben je peux vous dire que là, elle a vraiment senti la différence. Là, elle était vraiment beaucoup plus centrée, beaucoup plus dans son énergie, beaucoup plus forte, plus résistante. Donc ça montre bien, c'était encore une petite confirmation en plus de l'effet du circuit Lakowski. Donc je lui ai montré toutes les techniques aussi sur les abeilles, avec les aimants, le fil de cuivre. Et aussi sur les plantes, ça l'a beaucoup intéressée. Et donc, elle va commencer à en parler aux agriculteurs là-bas. Une histoire qu'elle m'a racontée, très intéressante, c'est qu'au Japon, il y a un musicien qui fait le tour des fermes et qui est même invité, payé pour son travail, hein, c'est son travail d'être musicien dans les fermes. Et donc, il va dans les fermes et joue la musique pour les plantes, les animaux, et il remarque, les agriculteurs qui font appel à son service remarquent que leurs plantes et animaux, que la situation change dans la ferme vers un mieux, que tout va mieux après. Et donc, du coup, il est de plus en plus demandé. Et il a arrivé à faire son métier de ça, d'aller chanter et jouer la musique dans les fermes. Donc voilà, c'est une idée que je vous partage parce que je pense que ça peut faire des petits. Et j'y crois fermement, c'est un fermement, hein, comme lui dans les fermes. Hein, c'est vraiment c'est magique. Hein. Parce que là, on joue avec les ondes. Hein. Donc, c'est comme un chaman. Il sent les problèmes, hein, ou le problème de santé. Et après, il est inspiré d'un chant, de certaines fréquences, de certaines mélodies pour soigner le problème. Et après, ça va mieux. Voilà. Et après, ça peut être complètement guéri. Vous voyez? Donc, c'est vraiment comme un chaman des temps modernes, ce musicien. C'est vraiment impressionnant et je pense que c'est un métier d'avenir. Non, mais sérieusement, après, il faut comprendre comment ça fonctionne. Hein. Quand on ne comprend pas, ça peut paraître très rigolo, mais ça apporte la joie, le bonheur et ça a des vrais résultats. Ça a des vrais résultats. Ah ben Vincent Van Aaren dit, j'ai également un nid de mésanges dans une ruche. Très intéressant ça. Mais qui cohabite avec les abeilles ou c'est une ruche qui est vide? Parce que ça pourrait être rigolo ça, une ruche avec... où il cohabite avec les abeilles.
C'est peut-être possible, hein, si la ruche est assez grande, si la maison est assez grande. Voilà. À Thierry Martinez, pratique du sun gazing. Ouais, très intéressant aussi, c'est un sujet à part. Je connais moins, mais j'avais un ami qui pratiquait ça et qui m'en parlait souvent. C'est très intéressant. Hein, ou le phosphénisme, hein, je pense que c'est peut-être un synonyme du sun gazing. Hein, en français, ça s'appelle le phosphénisme, je pense. Très intéressant pour développer justement ces capacités extrasensorielles. Hein. Parce que moi, je dis souvent, voilà, imaginez, vous êtes en mauvaise santé, ou la plante, voilà, elle est en mauvaise santé. Voilà, on veut la guérir, on veut qu'elle est de nouveau en bonne santé. Mais qu'est-ce que la bonne santé? Il n'y a pas de limite claire, précise entre mauvaise santé, bonne santé, meilleure santé. Vous voyez? Il n'y a pas une limite claire, nette, précise. En réalité, on est en perpétuelle évolution. Et même si on est en bonne santé, on peut être encore en meilleure santé. Et on peut encore développer ses capacités. Et ses capacités extrasensorielles. Et sa télépathie. Et sa clairaudience, clairvoyance, son intuition. Donc, on n'a jamais fini. Hein? Quelque part, entre quelqu'un qui est très intuitif, télépathique et quelqu'un qui ne l'est pas, ben, on pourrait dire que la personne qui ne l'est pas est en mauvaise santé par rapport à l'autre. Vous voyez, on n'a jamais fini d'évoluer. Voilà, et ça, je pense, c'est très intéressant. Mais moi, je pense comme ça. Voilà. Et pour vous dire, bah, tout à l'heure, on peut communiquer avec les animaux, j'en avais déjà parlé. Tout à l'heure, il y avait trois hirondelles Donc, j'ai les hirondelles qui sont arrivées là, le jour de l'incendie de Notre-Dame, de Notre-Dame donc à Paris. Ça me fait penser à Notre-Dame-des-Landes aussi, c'est marrant, le nom c'est aussi Notre-Dame et c'est intéressant ça. Ouais. Il y avait trois hirondelles. J'avais allumé la lumière, ils volaient un peu. Et après, il y a une hirondelle qui s'est posée sur un bateau que j'ai là stocké. C'est un vieux bateau que mon grand-père a fabriqué, qui a inventé, qui s'appelle le Mott Europe. C'était encore avant que l'Union européenne existait. Il avait baptisé ce bateau. C'était un petit voilier, le Mott Europe. Et c'est devenu même une classe olympique. Ah, c'était aussi un inventeur, hein, mon grand-père. Et ce bateau, il est jaune en plus. Il est en couleur jaune. Il est peint en jaune. Il est en bois et couleur jaune. Et donc après, ça flotte sur l'eau qui est bleue, on va dire l'eau. Et l'hirondelle s'était mise dessus. Alors moi, j'ai dit, oh, non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, je regarde l'hirondelle, je dis, je ferme pas la porte avant que l'hirondelle se mette ailleurs pour dormir, parce que j'ai pas envie d'excréments d'hirondelles, d'oiseaux sur ce bateau, parce que c'est quand même assez agressif, on va dire, les excréments d'oiseaux comme ça. Et alors, en pensée, je lui envoie le message que il va se mettre un peu plus loin. Et je vois l'hirondelle qui commence à bouger. Alors je me dis, ben, l'hirondelle a compris. Et l'hirondelle s'est mise un peu plus loin, sur la porte de garage, on va dire, hein, sur la crête au-dessus de la grande porte de garage. Voilà. Donc, pour dire, voilà, quand on commence à pratiquer la communication avec les animaux, comme ça, intuitif, télépathique, ben, après, ça devient une habitude, une normalité. Tout à fait normal, voilà. Hein, et après, on voit les résultats, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà. Ah, Éric Mazurier a souvent beaucoup d'idées, là. Hein. Donc là, il dit avec cette version. Là, il parle des spirales, des tours. Donc voilà, on verra ça.
Où est-ce qu'on en est dans les messages? Ouais, j'arrive pas à tout lire, je suis désolé. Ouais, donc le chiffre 7 bah, se répète à l'infini, hein, telle une fractale, dit Orgas. On le retrouve partout où le regard se porte. C'est vrai, on le retrouve souvent. On n'est pas là par hasard. Que dit Charles? Bonne idée, la rencontre, ouais. Bah, c'est une idée qui est venue là il y a un live précédent, hein, donc là ça fait son chemin. Et voilà, maintenant on va décider d'une date, hein, je dirais. Ah, Andrea dit, que pensez-vous des rituels du baptême pour les enfants? Par rapport à l'eau, les prières, l'intention et bien plus encore. Ouais. Moi, je pense que ça. Disons que toute tradition a une signification, hein, a une signification et, a, et des effets réels. Quand on est malade, moi, j'aime bien l'eau, c'est vraiment un côté guérissant. C'est ce qui est important, c'est notre intention avec laquelle on la boit. Parce que cette intention, c'est comme si ça va s'imprimer dans l'eau. Et après, ça va nous soigner d'une certaine façon. Ben, le baptême, on a une intention. C'est comme toute une étape dans la vie ou un processus où on reconnaît l'enfant comme quelque part sacré, etc. Après, je ne connais pas assez la religion pour raconter comment la religion la voit la chose, mais moi, je vois ça, comme vraiment une bénédiction. Ben, pour revenir à l'électroculture, ben, quand je mets les antennes magnétiques dans le champ, donc les antennes que j'enterre tout autour du champ, après j'en mets un au milieu du champ. Et je fais un petit rituel où je suis comme ça, les mains levées, les pieds écartés, et je dis. Je relie le ciel à la terre au ciel. Merci, merci, merci. Voilà. Et alors je sens, et même là je l'ai senti, je sens comme une énergie qui me traverse. Et donc là j'ai même eu la chair de poule, là, je peux vous montrer, là vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais j'ai eu comme la chair de poule, vraiment. Parce que j'ai senti cette énergie. Et donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça a été déjà filmé avec l'appareil Neve de Harry Oldfield. Et alors, au moment où je dis merci, là, il y a comme un flash de lumière. On ne le voit pas à l'œil nu. C'est pas, il n'y a pas un éclair là. Je ne suis pas à ce niveau-là de branchement, connexion. Hein. Mais il y a. Et c'est pas que moi, c'est tout le monde. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Il y a comme une lumière qui apparaît. Ah, et ça a été filmé par le NEV, le New Energy Vision. C'est un système, un logiciel qui est relié à une caméra haute résolution, hein, avec beaucoup de pixels. Et après, il analyse la lumière et il peut voir des choses qui sont insensibles, hein, qu'on voit pas à l'œil nu, mais des subtils changements dans la lumière. Donc, ça montre qu'il y a des changements dans les fréquences électromagnétiques de la lumière. Parce que l'appareil, c'est une caméra optique, on va dire. Donc, ça mesure la lumière. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'après, je prends toujours un peu d'eau sur place. Ça peut être l'eau de pluie qui traîne là dans une flaque. J'aime bien prendre l'eau de pluie qui est localement présente. Ou si je n'ai pas ça, je prends de l'eau que j'ai dans une bouteille ou de l'eau d'une rivière à côté ou d'un ruisseau. Ou, voilà. Et alors, je fais comme une bénédiction. Ouais, c'est comme un baptême ou comme un. Ben, j'offre une offrande. Où j'offre un peu d'eau à cet endroit précis, là, au milieu du champ. Mais je fais ça intuitivement, c'est pas que j'ai étudié ça ou que j'ai. Non, c'est vraiment. Je sens le besoin de le faire et je le fais et c'est comme ça que je fais. Voilà. Comme Les Brown dit dans une de ses conférences, là, il dit,
Je sentais que je devais faire comme ça ou comme ça. Ne me demandez pas pourquoi je le fais comme ça, mais je sais que c'est comme ça que je dois faire pour que ça marche. Voilà. Ben, je suis du même avis quelque part. On fait des choses et il faut le faire comme on le sent. Parce que souvent, si pour des raisons rationnelles, purement rationnelles, parce qu'on a appris ci ou ça, ou par l'éducation, on se dit, ah ben non, je vais pas faire comme ça parce que j'ai appris comme ça. Mais on sent qu'il faut faire, on a une intuition de faire comme ci ou comme ça, mais on va changer la chose, ben, souvent ça marche pas alors. Donc, c'est bien la preuve que notre intuition, notre ressenti est bien plus connaisseur, a bien plus de savoir, de connaissance, est bien plus relié à la vérité d'une certaine façon que nos connaissances humaines, matérielles qu'on a juste accumulées dans des livres peut-être ou dans nos savoirs. Il y a aussi plein de choses intéressantes, hein, mais vraiment, notre intuition est très importante, très très importante. Voilà. J'ai de l'eau de Pâques depuis environ 15 ans et elle est encore très belle, translucide. Ah, ça, c'est Nicole Dorion qui parle de ça. Ouais, très intéressant. Ben, par rapport à l'eau, ben, moi, j'habite pas loin du Mont Saint-Odile. Et le Mont Saint-Odile, c'est un endroit très particulier. Hein. C'est sur la montagne qui s'appelle le Mont Saint-Odile. Et c'est une sorte de monastère qui est là-dessus. De Saint-Odile, c'est toute une histoire. Difficilement la raconter parce que je ne me rappelle jamais très bien les détails de cette histoire de Saint-Odile, mais elle aurait été aveugle et elle s'est guérie, ses yeux, soi-disant avec cette eau, et il y a une source qui est apparue. On retrouve toujours un peu les mêmes éléments avec ces saintes. Mais très intéressant. Et j'étais là en visite guidée avec un géobiologue. Je me rappelle même plus de son nom, mais c'était très intéressant. Et il me dit, voilà, vous prenez de l'eau à cette source. Et après, vous montez à la chapelle des larmes. C'est une demi-heure plus haut au monastère. Et vous mettez cette eau dans cette chapelle, à cet endroit particulier où Saint-Odile a pleuré et où ses larmes ont érodé une roche qui est là, etc. Et vous mettez votre eau là. Et ça va augmenter en énergie d'une certaine façon. Et j'avais une petite bouteille de cette eau. Et voilà, je ramène cette bouteille à la maison. Et il dit, le géobiologue, il dit, voilà, ne buvez pas de cette eau le soir parce que vous risquez de ne pas dormir de la nuit. Parce qu'elle est très forte en énergie. Alors, un soir, ben, moi j'habitais à ce moment-là à Stotzheim. C'est au bord de l'Andelot, hein, ou de petite rivière là. Et c'est une petite rivière aussi, près duquel, qui passe aussi à Owalt. Et c'est là que Rudolf Steiner se promenait avec Krishnamurti aussi. Là, il a séjourné là. Et donc moi, j'habitais le long de ce cours d'eau aussi. Ce n'est pas par hasard. Pour moi, c'est vraiment des signes très forts, même impressionnants, que j'apprends sur le moment. Souvent, les lieux comme ça où j'atterris, ils sont. Après, on a tous comme ça des lieux. Mais pour revenir au Mont Saint-Odile, donc cette eau-là, je l'avais dans mon frigo. Et on buvait beaucoup d'eau en bouteille dans ce temps-là parce que l'eau du réseau était vraiment de très mauvaise qualité. Alors on achetait beaucoup d'eau en bouteille. Et un jour, on n'avait plus d'eau en bouteille. Et vraiment, je voulais pas boire de cette eau du réseau et j'avais soif. Mais j'avais pas encore autant de bons vins alsaciens non plus. Et voilà, donc je me dis, je vais boire un peu de cette eau qui est dans le frigidaire. Et donc je bois un peu de cette eau. Le lendemain, je dors bien, je vais dormir, je dors bien.
Et le lendemain, et je fais des rêves. Vraiment, j'ai fait un rêve très spécial. Et je fais un rêve où je rêve de sous-marins nucléaires russes au large des côtes américaines. Oh, c'était il y a bien plus de 10 ans de ça. Non, il y a non pas plus de 10 ans. Ça devait être autour des années 2000. Je dirais entre 2010 et 2014. Voilà. Ouais, parce que c'est là que j'habitais à Spotsylvania. Et je rêve de sous-marins nucléaires au large des côtes américaines. Après avoir bu, c'est tout. Après, je me dis, mais quelle est la symbolique de ça? Je réfléchissais par rapport à ma vie et je regardais dans les livres autour de la symbolique des rêves, etc. Mais je ne voyais pas vraiment de lien avec ma vie. Et après, un peu par hasard, un jour après ou le même jour, je ne sais plus, je trouve un article par hasard dans la presse, par Internet, dans Le Monde, au journal Le Monde, qui avait des sous-marins nucléaires qui se rapprochaient, qui étaient très proches des côtes américaines. Et que les Américains n'avaient plus vu ça depuis la guerre froide, et que ça faisait un peu trembler, ça faisait un peu trembler les chaumières là-bas, ça bousculait les politiques là-bas, ça montrait qu'ils n'étaient pas non plus invincibles, hein, mais n'importe ça bousculait la géopolitique, on va dire, mondiale, hein, qu'il y avait une puissance étrangère qui osait. Et nucléaire qui osait se rapprocher aussi près des côtes américaines. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi j'en déduis de ça? C'est que ça m'a donné la vision. La vision dans le sens de la voyance dans les événements de la Terre, on va dire, ou de la société. C'est que on n'a pas besoin d'être sur place là-bas pour voir ce qui se passe. Et Mont-Saint-Odile, l'eau, elle redonne la vision. Mais ce n'est pas la vision des yeux, là, hein? Non, c'est la vision intérieure de la réalité du monde. C'est une eau qui nous donne la vision. Ouais, vraiment. La vision, on voit toujours Sainte-Odile avec comme une Bible, avec 2 yeux dedans. Je vous invite aussi à lire les livres sacrés. Vous verrez que quand vous lisez vous l'ouvrez comme ça au hasard, vous allez être étonné, mais n'importe quel livre quelque part, vous allez être étonné des messages que vous allez lire qui correspondent à votre situation ou à un message que vous avez besoin sur le moment. C'est la synchronicité et tout, mais avec les livres sacrés, c'est encore plus puissant que n'importe quel livre, je trouve. C'est impressionnant. C'est impressionnant, je trouve. Ah, voilà, mais là je parlais des livres sacrés là, de la religion chrétienne, hein, mais vous trouvez aussi dans d'autres livres. Hein. Il y a la I Ching qui est très intéressant aussi, hein, chinois là, très intéressant. Et il y a dans d'autres, dans chaque culture, il y a des livres sacrés, hein, très intéressant. Et donc là, on retrouve de nouveau cet élément eau, vous voyez, hein? Impressionnant. Donc là, en ce moment, je suis aussi en train de dynamiser mon eau avec une antenne type paratonnerre. Je mets que comme il y en avait un du groupe qui faisait ça, hein, qui avait fait un poste, et je trouvais ça une super bonne idée. C'est tout simple. Vous mettez le fil de votre antenne type paratonnerre, vous reliez un fil et vous mettez dans votre arrosoir, tout simplement. Et je peux vous dire que ça dynamise votre eau. Ça participe en tout cas. Voilà. Donc là, je vois 2h09 déjà. Je vais vite lire si je vois un message important à répondre. Magali se demande comment purifier encore mieux l'eau de son étang ou de la sortie d'évacuation de sa microstation d'épuration. Oui, tu peux mettre un circuit Lakowski sur l'eau ou la canalisation d'eau, ça peut aider.
Oui. Des roches de basalte aussi, où tu fais passer l'eau à travers. Si elle coule lentement, tu peux carrément faire passer à travers un gravier de basalte, par exemple. Et ça peut aussi énormément aider. Ben j'ai un ami là qui s'appelle Marc Darlemans, et lui, il est spécialisé en station d'épuration à base de plantes et de roseaux et différents types de plantes. Et il fait des bassins avec différentes laves et basaltes très paramagnétiques. Et il fait passer l'eau à travers, les eaux sales, même des toilettes. Et les plantes, ça développe énormément les micro-organismes. Et après, il se retrouve avec de l'eau qui est parfois encore plus pure que l'eau du Mont-Rouku, à des bouteilles Mont-Rouku. Hein. Donc, c'est vraiment très faiblement minéralisé, très, très pur. Hein, et je peux vous dire très énergétique. J'en suis convaincu parce qu'en plus, il y a énormément de micro-organismes. Et en plus, il y a cet effet paramagnétique, cet effet antenne. Hein, donc, c'est très intéressant. Ben, les tours rondes, hein, mais comme les églises, hein, comme je disais, les tours rondes, c'est le prédécesseur des églises. Hein. Ben, les pyramides, c'est les prédécesseurs des églises. Si on retrouve plein d'éléments et des proportions architecturales dans les pyramides qu'on retrouve aussi dans les églises et dans les cathédrales. Ben, ça va augmenter la connexion ciel-terre, ça va capter des micro-ondes du ciel, carrément, et ça va augmenter, capter les ondes radio de basse fréquence de la Terre, dont les ondes Schumann, et dont la fréquence 7,83 Hz qui sera amplifiée localement. Et cette fréquence-là, on la retrouve aussi plus amplifiée dans le cerveau, dans l'électroencéphalogramme, des magnétiseurs, des médiums, des voyants, de tous les gens qui ont des capacités extrasensorielles un peu plus développées que les autres. Ben, souvent, ils ont un pic d'activité dans leur cerveau à cette fréquence. Donc, ça montre bien que c'est un effet d'être relié plus à la Terre, aux ondes. Et vous voyez bien que la destruction de Notre-Dame, de cet édifice, comme une sorte de gigantesque antenne qui est en plein centre de Paris pour apporter des vibrations tertielles, pour stimuler cette communication tertielle, qui a été détruite, c'est vraiment le mal, c'est vraiment où on essaye de détruire cette connexion, et de détruire cette énergie. Et ça annonce ah ben ça, disons que du coup, c'est un peu comme si on aurait coupé un robinet, d'une certaine façon, énergétique du ciel. Donc du coup, ça va augmenter les tensions sur Paris, probablement. Et ça va amener plus, ben voilà, si on parle en phrases imagées, on pourrait dire que ça va, il se rapproche des ténèbres, on va dire. Ça va augmenter les ténèbres sur Paris d'une certaine façon. Hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est ma vision des choses. Maintenant, moi, je pense que voilà, c'est pour ça que c'est important à cultiver le sacré, ces chapelles, ces antennes, dans nos jardins, notre chapelle à nous. Hein, chacun prêche pour sa chapelle, ben c'est nos jardins, nos champs. Hein, c'est nos jardins, c'est nos champs. On fait des petits paradis. Ben, par exemple, tout à l'heure, ça c'est quand même fou. J'étais dans mon potager. Et il y a une amie qui arrive, qui se parque. D'habitude, elle arrive, elle se met devant la maison avec sa voiture. Et là, elle s'est mise au fond du potager. Et elle est venue dans le potager pendant que j'étais occupé à travailler un peu dans le potager. Et vous savez comment elle s'appelle? Hein? Bah, avec son nom, elle s'appelle, je ne veux pas trop non plus, je ne vais pas dire son prénom, mais son nom, c'est Marie. Elle s'appelle Marie. C'est quand même fou.
Et elle est venue me voir. C'est un peu comme si Marie est venue me voir dans le jardin. C'est comme un fou. Quand j'y repense comme ça. Et justement, hier, je pensais à Marie et au jardin, justement. C'est quand même. Voilà. Mais c'est tous des petits signes. Nous, nos chapelles, c'est nos jardins. On fait des petits paradis sur terre quelque part. C'est un peu des centres de ressourcement du sacré, d'énergie, de vitalité, d'inspiration, de guérison. Les gens, souvent, ils se sentent mieux. Quand ils vont dans un jardin qui est bien, ben, ils se sentent mieux. Ou dans un champ qui est bien, qui a de bonnes énergies. Pour les agriculteurs d'entre nous, ben, ils se sentent mieux. Ben, c'est bien, c'est ça qu'il faut. Hein, c'est l'objectif, c'est qu'on se sent mieux, que tout le monde se sente de mieux en mieux. Ce n'est pas comme un champ où on vient de pulvériser des produits chimiques, où la tête tourne et on tombe presque dans les pommes, rien qu'à l'odeur nauséabonde. Hein, non, non, nous, on fait des jardins, des champs où on se sent bien. Et après, on peut bien se nourrir et toutes les personnes qui s'en nourrissent. Quelque part, on est en train de recréer une nouvelle société, une vie. Vraiment, la vie, on cultive la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mot, de la phrase. On cultive la vie. La vie. La vie, c'est la vitalité, la vie, les organismes vivants, c'est la vie sur Terre. C'est ce qui est important. Et cultiver, ça veut dire honorer. La racine du mot, ça veut dire honorer. Donc, quelque part, on est comme des moines dans les jardins. Chacun d'entre nous, on est un petit moine, quelque part. Non, mais c'est vrai, ça paraît un peu ésotérique ce que je raconte ou un peu branché comme ça, mais c'est des réalités. Hein. C'est des réalités. Ah ben, les animaux sont télépathes. Ben, Magali dit, les animaux sont télépathes, ça c'est sûr et certain. Un exemple, j'étais chez mes oies, et les oies, ben, ils protègent leurs petits oiseaux, les petits. Et alors, il faisait, hein? Alors moi, je lui parle, je lui dis, ah, mais je suis comme toi, je veux que du bien pour tes petits. Je dis, je ne veux pas te faire de mal, je veux que du bien, et je suis là pour t'aider aussi à ce que ces petits grandissent dans des bonnes conditions. Comme toi, j'ai le même souci que toi. Je disais à l'oie dans ma tête. Et je peux vous dire, comme ça, l'oie a arrêté de faire. Et ils étaient tout calmes. Ils étaient tout calmes et je pouvais être là à côté avec ses petits. Et il a arrêté de faire ça. Donc c'est quand même fou. Ah, c'est pas fou, mais c'est pour vous dire, on peut communiquer avec les animaux. C'est pas difficile, il suffit de le faire. Mais si vous pensez que vous pouvez pas le faire ou que vous savez pas que c'est possible, alors vous ne le faites pas, tout simplement. C'est un peu comme si un jour, on arrive à marcher sur l'eau. Imaginez, voilà, à partir de demain, tout le monde peut marcher sur l'eau. Tout le monde. Mais personne ne le sait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va à la plage, va se coucher sur le sable, il va rentrer dans l'eau comme les jours précédents. Parce que personne ne sait qu'à partir de ce jour-là, il peut marcher sur l'eau. Il va même pas essayer. Il va même pas essayer parce qu'il ne le sait pas. Il sait pas que c'est possible. Alors, il va dans l'eau parce qu'il a l'habitude d'aller dans l'eau. Vous voyez? Mais la vie, c'est ça. Je pense que dans un certain futur, ce que certains sages aujourd'hui arrivent à faire, où certaines personnes arrivent à faire comme des choses miraculeuses. Un exemple, il y a un gars, il arrive à aller sur l'Himalaya, plus de 7000 mètres d'altitude, sans bouteille de gaz, en t-shirt ou même torse nu et un short, et pieds nus. Il va, ou avec ses chaussures, je ne sais pas, mais il est quasiment nu. Hein. Là-bas, il fait moins 10, moins 20, moins 30. Hein. Hein. Ben, il va. Et il apprend et il organise des stages pour apprendre à tout le monde comment il peut faire ça. Pour dire que c'est pas quelque chose de miraculeux, il peut l'apprendre à tout le monde. Hein, et il l'apprend. Hein. Donc, c'est pour dire que, mais quelqu'un qui sait pas,
Ben, il y va. En bouteilles de gaz, en matériel hyper sophistiqué, etc., etc. Et s'il n'a pas ça, il croit qu'il meurt et même il meurt même, hein, parce qu'il ne sait pas comment survivre autrement. Voilà, parce que c'est dans sa tête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... On a un tas de croyances aussi autour de... Ben, autour du jardinage, hein, autour de la fertilité du jardin aussi. Tous, encore la moitié d'entre vous, je suis sûr, pensent que les plantes se nourrissent des éléments dans le sol. Hein? Si je dis ça, beaucoup de gens vont dire, ah oui, bah oui, c'est normal, on a appris, c'est dans plein de livres, c'est comme ça. Bah, moi, je dis non. Même nous, vous savez que nous, on peut faire pousser les plantes sur du gravier simplement humidifié, du gravier qui a été lavé, où il n'y a plus une substance qui se détache, on va dire, hein, et simplement humidifié, et des antennes d'électroculture, ben Christophe Lo a fait pousser du blé avec des meilleures récoltes que dans les champs classiques, rien qu'avec des antennes et du gravier et de l'humidité. Donc ça montre bien que toute la théorie de la fertilité, ben elle a des lacunes, voilà. Ça correspond à un certain contexte, mais pas à tout. Et ça montre que toutes nos croyances autour de la fertilité, des éléments nourrissants dans le sol, ben, elle est bancale quelque part. Il y a aussi des expériences qui nous montrent qu'on peut faire pousser des plantes vertes dans le noir. Que la lumière est pas si importante qu'on pense, mais c'est l'énergie véhiculée par le cosmos et la Terre, mais qu'il faut des antennes d'électroculture. Avec certains dispositifs d'électroculture, il y a eu des expériences au début du siècle où ils montrent, ben ça c'est Pildouski, ou ah, comment il s'appelle, c'est un ingénieur de Saint-Pétersbourg. Au début du siècle, il en parle de ça, d'expériences comme ça. Mais Christophe Lo, non, Hieronymus aussi parle de ce genre d'expérience, où ils arrivent à faire pousser des plantes vertes dans le noir. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Donc dans le noir, dans la cave, mais et sans lumière, hein, donc avec des antennes d'électroculture. Donc ça montre que la photosynthèse ne fonctionne pas comme on apprend à l'école. Et toute l'agriculture est basée là-dessus. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas du tout comme on l'apprend. Hein? Donc, hein, mais ça, je vous invite, si on peut constituer un petit groupe pour expérimenter ce genre de petites expériences dans nos caves, dans le noir, jusque quand on y arrive, parce que ça, c'est des expériences révolutionnaires. Ça, c'est des expériences qui bousculent. Les idées reçues, ça secoue la tête, hein, ça secoue la tête des plus grands agronomes du monde de toutes les universités. Hein. Hein. Donc, mais déjà, ce qu'on fait dans nos jardins, ça, ce qu'on fait avec nos antennes, mais ça bouscule déjà les professeurs de toutes les universités, s'ils savaient, mais ils savent pas. C'est un peu comme tous ces agronomes et professeurs, c'est un peu comme ceux qui sont au bord de la plage et qui ne savent pas qu'ils peuvent marcher sur l'eau. Alors ils continuent à aller dans l'eau, à se mouiller, à se fatiguer, à labourer, à traiter, à dépenser des fortunes, à polluer, mais parce qu'ils pensent que c'est indispensable, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que c'est des programmations. C'est des programmations dans leur tête. Par l'éducation. Et ils y croient fermement. Il faut aussi vous dire que ces agronomes ou ces professeurs, il faut non plus pas leur mettre la faute parce que, imaginez, ils ont étudié pendant des années, ils ont eu des cours, ils ont dû travailler des semaines à étudier leurs cours, à passer leurs examens. Et alors, ils y croient. Ils sont vraiment endoctrinés. Et alors, quand vous allez montrer une expérience qui démontre le contraire, ben c'est très dur. Tout le monde n'est pas prêt à remettre en cause son endoctrinement. Pourquoi? Parce que souvent, la personne va se personnifier
se personnaliser, à s'identifier à cet endoctrinement. Il va penser que cet endoctrinement, ça lui correspond, que c'est lui. Mais non, c'est pas lui, c'est une programmation. C'est un peu comme si l'ordinateur s'identifie au programme qui est dedans. Non, l'ordinateur est juste un matériel et après on peut mettre le programme qu'on veut dedans. Mais c'est comme si nous, en tant qu'être, en tant qu'âme, on s'identifierait à notre programmation. Et là, il faut arrêter là, hein. Faut sortir de ça. On n'est pas notre programmation. Il faut être prêt à jeter toute notre programmation de l'autre côté, hein. Si c'est une question de survie ou si c'est pas vrai, c'est pas vrai, hein. C'est comme ça. La vérité est ailleurs, hein. Comme on le dit dans le langage courant d'ailleurs. La vérité est ailleurs. Voilà. Cherchons ailleurs. Il faut un peu, naturellement, ça rassure quand. C'est un peu comme si on est sur une montagne et on tient une corde. Vraiment, on tient une corde en pensant que ça va nous sauver la vie. Mais la corde, elle est attachée à rien. Ah, on tient la corde. Ouais. Parce qu'on pense que la corde, ça, c'est la vie. Non, la vie, elle est là. Et ça, c'est. Ah ben là, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai été au Pérou, ça c'était en 1999, pour vous dire. J'étais là avec une ONG, faire comme un stage, et on visitait différents projets qui finançaient. C'était beaucoup des projets de développement où ils apprenaient des métiers aux gens. C'était vraiment des bons. Avec les gens locaux de là-bas, c'était pas plein d'envoyés, d'ONG occidentaux qui débarquaient là-bas et qui donnaient les leçons. Non, c'était, ils cherchaient les gens sur place qui étaient capables de porter des projets et après ils les aidaient. Par exemple, un boulanger, un bon boulanger ou un bon menuisier ou un bon artisan, on va dire. Et alors ils l'aidaient à faire une école pour transmettre son savoir, par exemple. C'était vraiment des super bons projets, je trouvais. Et j'étais très branché là-bas. Et alors, on allait aussi dans les Andes. Hein. C'était très branché dans le sens que je me sentais vraiment relié avec l'univers. C'était assez magique ce voyage. J'étais jeune aussi. C'était ma dernière année d'études aussi. Très dynamique, plein de vitalité, on va dire. Et j'étais dans un bus. Un bus, ça passerait pas le contrôle technique ici. Hein. Mais là-bas, ils disent, si vous voulez trouver un bon chauffeur, un bon guide, ben ils disent, ils sont tous bons, parce que les mauvais, ils sont morts déjà. Parce que quand vous êtes dans les Andes, où d'un côté du chemin, vous avez un ravin, mais qui peut faire 1000 mètres, hein, sans problème, hein. Vraiment, vous voyez les petites voitures au fond, vous voyez, ils sont tout petits comme ça. Tout petits comme ça. Ouais. Donc c'est très loin. Et très haut. Vous voyez les pierres qui dégoulinent. Hein, voilà. Et après, de l'autre côté, c'est la paroi rocheuse de la montagne. Et vous roulez en lacet là-dedans pendant des heures et des heures. Hein, pour aller à un petit village quelque part. Il n'y a pas de route. Et parfois, il y a des éboulements. Parfois, hein. Et on roulait là avec un bus. Mais c'était comme comment dire, comme un pick-up. Où le gars, il avait construit une cabine derrière, fait comme un bus, avec plusieurs sièges, et devant, sur le capot, il avait mis son siège, il avait bricolé son siège qui était normalement derrière avec un capot moteur devant, ben, il avait construit une cabine sur le capot, il avait rallongé la tige de changement de vitesse, et il avait mis des pédales tout devant, ben, il avait bricolé un truc, je ne vous dis pas. Et nous, avec cet engin-là, on était à une dizaine, hein. On était une dizaine. Hein. Donc on a loué ses services et on a été avec lui dans les Andes. Ben, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'au début, vous avez un peu peur. Ah, c'est la moindre des choses, je dirais. Vous avez même plus que peur. Vous n'allez pas ressortir vivant de ce truc. Et alors là, moi, au début, je m'étais mis près de la sortie du petit bus, on va dire. Je me dis,
Super contrôle, ou quoi, je peux vite peut-être sortir par l'entrée ou quoi. Et alors, au début, vous asseyez, vous vous tenez là. Vous vous tenez vraiment au bus. Mais après un moment, vous dites, ça sert à rien. Pourquoi je me tiens? De toute façon, s'il tombe, ben, ce n'est pas parce que vous tenez un peu plus fort ou moins fort que vous allez plus ou moins survivre ou vous n'allez pas pouvoir sortir. Et alors là, vous adoptez la relax attitude. C'est que là, vous comprenez le sacré. Et pourquoi là-bas, ils sont beaucoup plus dans le sacré, dans le sens, dans la prière. Vous voyez dans chaque bus une petite croix qui se promène. Ils sont dans leur vie de tous les jours, ils sont en lien avec le sacré, avec la prière, avec la reconnaissance d'être vivant aussi à chaque instant. Hein? Donc c'est vraiment. Et quand vous allez dans les Andes et que vous allez vous promener comme ça, 4000 mètres d'altitude sur des plateaux avec les lamas, où vous voyez des montagnes et des plateaux à perte de vue, avec quelques petits troupeaux de lamas par-ci par-là, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et que vous rencontrez ces peuples qui vivent là, j'étais dans des villages où ils voyaient peut-être un blanc une fois par an. Hein, c'était peut-être moi ce jour-là. Hein, c'était et comme nous on voit, moi je les ai vus aussi une fois dans ma vie. Je les verrai peut-être plus jamais de ma vie. Hein, mais c'est comme ça. Mais c'est impressionnant. Là on se rend compte du sacré. Ouais, là on se rend aussi compte du sacré. Et là j'ai vraiment compris que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Hein? Dans le sens que si c'est l'heure de mourir, c'est l'heure de mourir. Si c'est pas l'heure de mourir, il peut se passer tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas mourir. Ah, c'est assez rigolo, mais là, vous avez une confiance énorme dans l'univers. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est évident. Ça devient évident. C'est impressionnant, impressionnant. Ah, moi, ça m'avait impressionné. Et je me rappelle d'une photo même, ou d'une situation où on était vraiment au-dessus dans la montagne, et il y avait une roche, un gros, gros caillou. J'étais dessus. Et là, ah là c'était impressionnant, impressionnant. On se sentait vraiment libre et connecté à l'univers. Ben voilà, donc on a tous un peu nos expériences comme ça, mais c'est tout ça qui m'a aussi amené à l'électroculture, parce que pour vous dire, quand j'étais là-bas, j'aurais aimé rester là peut-être encore des semaines, des mois. Quand on est là-bas, j'étais tellement bien là-bas que j'aurais aimé rester. Mais à un moment donné, je devais finir ma thèse de fin d'études sur l'influence de la musique sur les plantes. Et déjà, c'était l'été, j'avais été un mois au Pérou. Et j'avais plus que 3 ou 4 semaines parce que j'avais pas fini ma thèse je l'avais même pas écrit pour vous dire pour le mois de juin et j'avais une deuxième chance, je devais le rendre alors fin août début septembre et sinon je vais refaire l'année. Ma professeure qui me suivait disait impossible, il va plus la faire, il s'en fout quoi, qu'est-ce qu'il fait hein? Et là, il est parti maintenant au Pérou. Il ne m'a pas encore rentré des morceaux de la thèse pour corriger. Et moi, je me suis senti appelé vraiment pour la faire, pour faire, pour finir ce travail. Et alors, je suis revenu à contre-cœur, hein, parce que j'avais bien envie de rester là-bas. Et je suis revenu en Belgique. Et j'ai fait cette thèse pour vous dire, j'ai écrit, oh, je pense j'ai écrit 10, 20 pages par jour, étudié, écrit, on va dire, et que même la correctrice, la professeure n'arrivait pas à suivre. Tous les jours, j'allais chez elle avec des pages. Mais du matin au soir, je faisais que ça, que travailler à cette thèse. Et en 2 semaines, elle était finie. Voilà. C'était, je me suis surpassé, on va dire, mais parfois sous le stress, on arrive à faire des choses impressionnantes.
Voilà. Mais quand on est appelé, on est poussé à faire quelque chose, il faut le faire. On ne peut pas faire autrement. C'est comme on est obligé de le faire. Ouais. Yannick, est-ce que la forme de l'œuf a un effet quelconque? Oui, c'est tout un sujet, l'œuf. Mais l'œuf est très puissant comme forme. Ouais. L'œuf, c'est vraiment magique, l'œuf. Pour vous dire, j'ai un ami qui faisait des carafes en forme d'œuf. Ah, c'est Michael Boost. Ça existe dans le monde, hein, des carafes d'eau en forme d'œuf. C'est basé sur les recherches de Victor Schauberg. Et, ouais, comme Éric Mazurier dit, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et ben, quand on met de l'eau dedans, dans ces carafes d'œuf, on a fait des analyses. Donc, c'était une carafe d'œuf en terre cuite, c'est important aussi, et où on avait intégré aussi des cendres du rituel Agnihotra, hein, donc de purification des énergies. Hein. Donc, c'est très puissant comme énergie. Et quand on mettait de l'eau dedans, on faisait une analyse des métaux lourds dans l'eau, avant, après, ben, il y avait des éléments qui disparaissaient ou qui diminuaient sans explication. Voilà. Donc ça, c'est très, très spécial. L'œuf, c'est un peu comme une pyramide aussi. Ça va transmuter les éléments aussi. Très, très puissant, hein, un œuf. Je pense qu'on n'a pas fini de découvrir autour de la forme d'œuf. Mais on voit bien un œuf d'une poule. Un œuf, le contenu de l'œuf ne se conserve jamais aussi bien que dans l'œuf. Vous le sortez, maintenant ils font dans l'industrie agroalimentaire, ils obligent dans la restauration à sortir le contenu de l'œuf et après ils mettent ça dans des briques et ils pasteurisent, etc. Mais quelque part, ça enlève l'énergie. Tout est fait dans la société industrielle pour enlever, supprimer l'énergie vitale, pour nous transformer en zombies. Tout est fait dans la société pour ça. Sous prétexte que c'est plus hygiénique, rationnel, etc. Mais tout est fait pour ça. Hein? Mais ça ne se conserve pas mieux en dehors de l'œuf. Dans l'œuf, il n'y a rien de mieux. Un œuf se conserve le mieux dans l'œuf. Hein? Hein? Ou le contenu de l'œuf dans l'œuf. Il y a même des salles ou des sortes de chambres qui étaient construites dans les châteaux. Je sais en Belgique, hein, je connais un château, il y a une chambre comme ça, en forme d'œuf. Et ils gardaient la glace qu'ils récoltaient en hiver, ils gardaient toute l'année une réserve de glace dans l'œuf. Même en été, ils avaient de la glace qui venait de l'hiver, qu'ils conservaient dans l'œuf. C'est vraiment très spécial. Donc là, je commence un peu à fatiguer, j'ai plus d'eau de là et moi, j'ai juste encore un peu de soleil. C'est quand même fou que c'est bien jaune et que ça représente le soleil levant. Très intéressant ça. Parce que je découvre avec vous, hein. On a l'eau de là, et le vert entre les deux, la couleur verte, et le soleil, le vin d'Alsace. Oui. Oui. Qu'est-ce que serait le monde sans le vin d'Alsace? Allez, santé. Ah, le vin, il y en a différents endroits, mais celui-là, il est spécial. Parce que ça, c'est le vin d'Alsace de David et David contre Goliath. Et l'électroculture, c'est un peu David contre Goliath. On participe à ça. Parce que imaginez-vous un agriculteur qui a 100, 200, 500 hectares. Il utilise une pyramide. Ça lui aura coûté quoi? S'il achète les tubes et les angles, il en aura pour, je sais pas moi, 300 euros de faire sa pyramide à l'échelle de ces centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est rien du tout, 300 euros. Et avec ça, s'il fait une pyramide en bois avec un fil, ça lui coûte à la limite une bobine de fil et des branches qui traînent par-ci, par-là, donc rien du tout. Et avec ça, il va augmenter ses récoltes, mais
10, 20, 30, 50, 100%. Il va augmenter la vitalité aussi, l'énergie vitale dans ses produits et la qualité de ses produits. Il va réduire ses frais, il va réduire les engrais parce qu'avec le temps, il va se rendre compte qu'il n'a même plus besoin de mettre des engrais. Combien d'entre nous mettons encore des engrais dans nos jardins? Presque personne. On n'a plus besoin des engrais. On voit que ça pousse très bien. Si on met l'électroculture en place, ben moi, ça fait déjà depuis plus de 9 ans que je fais de l'électroculture dans mon jardin. J'ai jamais mis d'engrais. Si je mets un peu, ouais, un peu de matière organique, parce qu'on en a, parce que quand on stimule la vie, on a forcément plein de matière organique. Mais sinon, pas spécialement d'engrais, que de l'électroculture et de la permaculture, etc. Donc, ils réduisent les frais. Après, ils ont plus de maladies, beaucoup moins en tout cas. Donc, ils réduisent aussi les pesticides, juste pour quelques centaines d'euros d'investissement. Vous imaginez? Donc, on va dire que pour 100 euros, il y a au moins 1 000 à 10 000 euros d'économie. Je dirais même plus. Et de gains, c'est peut-être même 100 000 euros, hein, parce qu'un agriculteur qui a 100, 200, 300 hectares, ça fait du chiffre d'affaires, hein, je peux vous dire. Hein, ça fait des sortes. Ça brasse ça peut brasser des centaines de milliers d'euros. Hein. Donc, imaginez à l'échelle d'un village, c'est des milliers d'hectares. Vous imaginez? Hein, c'est des millions d'euros par village que l'industrie agroalimentaire, agrochimique gagne. Et tout ça part en fumée. Juste parce qu'ils utilisent une pyramide. Donc là, si ça, c'est pas du David contre Goliath, hein, ça part en fumée. C'est le cas de le dire. Hein, c'est Notre-Dame qui nous comment faire, hein, dans le sens que on peut montrer, hein, et là, de plus en plus d'agriculteurs commencent à comprendre ça, commencent à comprendre qu'il existe des techniques qui se sont fait enfumer depuis des années et des années avec les pesticides, les engrais chimiques, et maintenant ils commencent à comprendre qu'ils peuvent faire différemment. J'ai par exemple un témoignage d'un agriculteur dans les monts du Lyonnais. Il a mis des tours rondes, il a mis des antennes magnétiques en place, il a dynamisé son eau et il n'a pas mis d'engrais une année. D'habitude, ils mettent tous les ans un certain dosage d'engrais. Il a remarqué que ses plantes, ses arbres poussaient aussi bien que les années précédentes, mais sans engrais. Alors lui, il a tiré des yeux comme ça, il a dit, mais pendant des années, moi, j'ai utilisé des engrais, tout en pensant qu'il y en avait besoin. Il n'y en a pas besoin. Là, avec cette technique, je peux faire sans. Et tout en ayant même des meilleurs résultats, hein, en niveau qualitatif et quantitatif. Donc quand ils vont commencer à découvrir ça, ben, c'est un peu comme quand ils commencent à découvrir qu'ils peuvent marcher sur l'eau. C'est une réalité. C'est un peu comme, cette invention de cet hélicoptère drone qui fait pas de bruit d'un petit industriel, un inventeur au fin fond de la France. Hein. Après, c'est une idée qui est dans l'air, mais quand vous faites alors un hélicoptère qui fait pas de bruit, qui est plus maniable et tout, mais les vieux hélicoptères qui font plein de bruit, mais c'est de la préhistoire à côté. En très peu de temps, normalement, on ne parlerait plus de ces vieux hélicoptères. Hein. On parlerait que des trucs qui font pas de bruit. C'est beaucoup plus confortable pour la nature. C'est beaucoup mieux aussi. Alors voilà, c'est un exemple. Hein. Mais là, l'électroculture, c'est pareil. Si on développe les techniques et on les rend accessibles, pratiques à grande échelle, là, on peut transformer l'agriculture, mais de façon très profonde, hein, et très rapide. Hein. Très rapide aussi. Ouais. Voilà. C'est par la force de l'exemple, très important, l'exemple. Ouais. Ben, je vous souhaite bonne soirée. Oh, je vois que chaque semaine, on est de plus en plus. Là, j'ai fait un peu long.
Mais je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bonne journée pour ceux qui m'écoutent pendant la journée. C'est un grand plaisir de vous parler ce soir. C'était une soirée un peu spéciale, je dirais quand même. Hein? Ouais, je vous ai raconté un peu de ma vie privée, de mes expériences un peu branchées, on va dire. Ouais. Ben, je voudrais aussi remercier aussi Richard Humbert pour tes cadeaux que tu m'as envoyés. Un grand merci. Et donc là, tout bientôt, ben, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de refaire le live le soir, mais ça dépend parce que je suis en déplacement. Mais sinon, bah, sinon ce sera un ou deux jours après. Mais normalement, je fais comme d'habitude, hein, donc tous les samedis soirs, ne vous inquiétez pas. Mais si ce n'est pas possible, j'essaierai d'avertir, ce sera alors un autre jour. Mais voilà. Ben, je vous souhaite très bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Voilà. Ben, bonne inspiration, bonne continuation à vous tous. Continuez à partager vos témoignages sur le groupe, sur Internet, partout où vous voulez. Montrez à votre entourage, à vos amis, que c'est possible, que vous avez des résultats. Que bousculer un peu les esprits autour de vous, à tous ceux qui sont ouverts à ça, et n'hésitez pas à partager entre nous, hein, donc dans le groupe, ça permet de faire connaissance aussi entre nous et de partager. Et quand on se rencontre et qu'on discute entre passionnés d'électroculture, parce qu'on est beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer, moi, j'ai des centaines, voire des milliers de clients au fil des années. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un électrocultivateur près de chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a partout en France et même dans le monde. Donc, n'hésitez pas à partager, à discuter autour de vous et à montrer vos résultats surtout. Hein, et vous verrez que ça va se propager, mais voilà, comme je ne sais pas quoi, mais ça se propage. Hein. Et voilà. Ben, merci beaucoup à vous. Oups, ça a fait bugger. Là, j'aime bien la phrase. Électrochoc. Merci à tous. Santé, Yannick. Oui, ben, merci, Christou. Hein, créons des petits électrochocs à droite, à gauche pour bousculer les esprits. Ça accélère le développement et la remise en question. Ça ouvre un peu l'esprit. Ça fait poser des questions. Il faut y aller petit à petit parfois. Hein, mais moi, je vois hein, dans le jardin, tout le monde dit que c'est un très beau jardin. Quand il passe, par exemple, quelqu'un était là qui venait de la plaine. Où c'est plus de 2 semaines en avance par rapport à chez moi. Et elle voit mon jardin, je présente telle plante, la rhubarbe, le lupin, le si. Et elle lui dit, ah ben en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de décalage par rapport à chez moi. Mais si, il y a beaucoup de décalage, justement, parce que moi j'habite à 550 mètres d'altitude. Et si chez moi ça pousse aussi vite que chez toi, c'est qu'il y a un problème. C'est que chez toi, ça pousse vraiment pas vite parce que normalement, ça devrait être 2 semaines en avance par rapport à chez moi. Hein? Parce que si j'ai un autre jardin un peu plus loin dans le village, c'est pas pareil. Donc, ça montre que vraiment, avec l'électroculture, ben, vous augmentez vraiment la croissance et au-delà de la température. Hein, parce que même s'il fait un peu plus froid, ben vous verrez que vos plantes poussent aussi bien que s'il fait un peu plus chaud dans ce sens-là. Hein, où ils sont en avance sur la saison souvent. Après, ça peut être un peu parfois un petit souci aussi par rapport au gelé, si les plantes poussent un peu trop vite au début. Mais n'importe. Mais voilà, ils sont plus résistants, ils poussent plus vite. Hein, vous accélérez, c'est comme si on augmente la saison. Hein, voilà. Allez,
Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. Je m'arrête là pour ce soir. C'était un grand plaisir. Merci à vous tous. Au plaisir. Au revoir.